the buns, sweat it out, lay my tongue. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. All this doubt is creeping in, inside out, shed my skin. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. I've been waiting all my life to live when I've only been dreaming. Only been stealing, can't let time keep passing me by. Run down what I've always been chasing. Black out every fear I've been facing. Yo, comment il est les gars? Comment ça va les frérots? Désolé du retard, je suis vraiment en retard les gars. Vous savez, j'ai pas dormi, hein. Enfin j'ai essayé de dormir, j'ai dormi 30 minutes, c'est mauvais délire de dormir en... que 30 minutes, tu vois, parce que tu vas se réveiller. Mais j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à me réveiller. Là j'ai bu mon café, c'est bon, hein. ça va. J'ai un peu la voix encore un peu endormie, mais ça va se réveiller. Merci pour les 100 bits. Merci, merci Psycho Dark, troisième mois. Merci, Only the Free. Merci, Black. Non. Un LS. Merci. Ça va, moi ça va, doucement, doucement. Je suis chaud, on est dans la merde, les gars, aujourd'hui. On est totalement dans la merde. Oui, on va customiser, les gars. Justement, je vous ai attendu pour qu'on custom la Evo ensemble. Là. Ce soir, on va rouler en Evo, les gars. Qu'est-ce que vous en dites? Aïe, 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 aïe.
Incroyable. Je publie la vidéo, tac tac. On est dans le mal, les gars. Hier, on a foutu. On a foutu un peu la merde, mais on a rien fait, mais bon. On va bien voir ce qui va se passer. Moi, je vais me cacher ce soir. Il y a la Comedy Club qui ouvre ses portes. Je sais pas si je suis en retard, je sais pas à quelle heure ça ouvre, les gars. Est-ce que vous avez des infos? Moi, je sais pas. Tac, 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 tac. Merci. 22h. Ah ouais, je suis en retard de ouf, en fait. Je suis dans la merde. Merci pour le sub. IPMX, merci. Jordan, merci pour les beats. Oublie la vidéo. Et merci, les gars. Mais Purple, hé, hey, Purple, mais toi t'es... Purple, t'es fou, toi. Après, il faut que tu viennes sur Discord, il faut que je te parle, toi, parce que là... Ouais, t'es un ouf, toi. Tu vas te ruiner, la vérité, tu vas te ruiner. Merci, frérot. Erwan, merci, il a mis une musique, là, Erwan. Qu'est-ce qu'il a fait encore comme connerie? Je suis déjà sur Discord et... Et non, t'inquiète. Attends, je vais mettre la musique qu'il a envoyée. Attends, je publie. Non, mais Purple, faut que je te parle. C'est, comprends-moi, c'est mon rôle aussi, tu vois. C'est normal, faut que tu viens. Attends, j'écoute là. McFly et Carlito, ok. Il est con. Réveil matin 15h, tu te réveilles comme une fleur. Il est con ce Erwan, toujours lui pour m'envoyer des conneries comme ça. Allez. Bon allez. Vous avez reçu, c'est bon, nickel. Ok, attendez. Je regarde juste un petit truc là. Ah, je suis éclaté. Mais on va se réveiller, d'accord les gars? On va se bouger le cul, on va se réveiller, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Pub de merde. Voilà. Merci beaucoup les gars. Purple, c'est un fou. Il a offert encore 5 000. Incroyable. JL Kayox, merci. C'est bon les gars. Ça va ou quoi DVA? Je suis en retard DVA. Si j'arrive un peu en retard, c'est pas... Nightmare, merci, 5 abonnements, merci frérot. De toute façon, on commençait la soirée, vous inquiétez pas. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu encore comme connerie. Là, je me réveille, je vois les messages. Nina, salut Aaron, faut qu'on parle. Il y a 43 minutes. Ça, Liam, faut qu'on parle. Comme par hasard. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Allez voir. Je suis dans la merde. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je n'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Mais non. Si personne veut me croire, tant pis. Merci Enzo. Tant pis. Juste tant pis. T'as rien fait, c'est ça le pire. Ouais, j'ai rien fait, les gars. J'ai vraiment rien fait, hein. Je voulais faire quelque chose, j'aurais bu. Vous savez très bien qu'Aaron il est pas comme ça. Mais bon. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous êtes chaud qu'on va customiser notre voiture?
Ce soir on roule avec ça, d'accord? Enfin, on va voir. Après, si, j'ai fait quelque chose, j'ai pas dit la vérité, Mais normal, je vais pas lui dire que je vais en boîte de nuit, non? Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais... Si Liam, il a balancé, ben, il était avec moi, hein? Hein? On est d'accord? En foutre la faute sur Liam et Jason, c'est eux qui m'ont dit, ouais, de venir enterrer ta vie de garçon. Je vais leur foutre la faute sur eux. Parce que c'est eux, ils sont plus vieux que moi. Ils sont venus quand même avec moi, on est d'accord? Ils sont venus avec moi. Ils ont pas dit non. Je vais leur foutre dans la merde. Zozo, merci. Du coup, les gars, on continue un petit peu nos aventures avant le mariage. Le mariage, normalement, on va faire ce week-end. Au moins, le week-end, on est tranquille, vous voyez. Donc, pendant ce temps-là, je vais continuer à live, d'accord? Je continue à vous faire des petits lives tranquilles. Le temps que ça arrive, ok? Noa Geek, merci frérot. Vous avez vu les gars? Normalement ça devait être fini, hein. Histoire d'Aaron, mais vous m'avez trop chauffé pour en continuer un petit peu avec lui. C'est vrai que il manque Aaron, il va manquer, hein. Donc on profite un peu encore. Moi j'ai hésité de me trouver un petit truc, un petit travail, je sais pas, ou une petite entreprise avant de finir avec lui, mais bon. Le mariage avec qui? Avec Nina, normalement, mais avant, j'ai peur que ça part en couille avant. Ça se pourrait que ça parte en couille, hein. Tu pourrais continuer après. Le problème, si je continue, c'est bon, je suis marié. J'ai déjà fini ma mission, les gars, l'histoire, il est fini. J'ai déjà fini avec David, j'ai déjà tout fini. Je suis marié, qu'est-ce que vous que je fasse après? Il n'y a plus de but, comprenez? Je préfère avoir un nouveau perso, la suite. Il sera. Vous inquiétez pas, il sera aussi lourd. J'ai tellement hâte, putain. J'ai tellement hâte. Merci Quentin, merci frérot. Eh d'ailleurs les frères. Je voulais vous dire que. Attends. Avec Twitch on est passé avec un autre contrat de 70-30. Donc tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie les frères. Grâce à vous, on est passé avec un nouveau contrat Twitch. Et c'est vraiment magnifique. La musique préférée de Aaron Flash est toujours là avec mes musiques. Merci Arwan. J'ai à vous les frères, félicitez-vous, hein. Vas-y, on va vite customiser la voiture là. On va voir ce qu'on peut faire de lui. Mais il y a un problème, cette voiture il faisait des retours de flammes, je suis pas con, wesh. Bon déjà on va changer la couleur. Attends. On connaît, il faut mettre comme ça. Et après là tu peux changer. Voilà. Vous voulez quelle couleur les gars? Tu vas au Comedy Club? Ouais je vais y aller. Celle-là? Comme à l'époque où la couleur d'origine. Sa couleur d'origine c'était jaune. Après il y a ça aussi, ça passe mais. Ah. Je regarde les gars, attendez. Eh, j'espère qu'on peut teinter les vitres, hein. Vas-y, on met jaune, là, comme à l'époque. C'est sa couleur d'origine, on est d'accord. Je suis pas con. Dans le 2, Fast and Furious 2. Paul Walker. C'est comme ça, je crois. Hop.
pas, je mets comme ça, on va. Turbo, tac, tac, tac. La fumée, j'ai envie de mettre noir. Putain, c'est trop dommage. Putain, faut pas teindre les cheveux. Vers la lumière. On va voir. Ouais, bien vu. Ouais, ça passe en vrai, ça fait un truc. Pas un truc, ça fait un truc, les gars. Ok, maintenant il faut qu'on trouve le juste milieu pour le programme. Faut que je mette un x16 à mon avis parce qu'il est vraiment lourd, il est vraiment très lent. Je suis dégoûté. Il n'y a plus le ratata, le retour de flamme. Non, c'est beaucoup. Wow, c'est trop, excusez-moi, c'est trop. J'ai abusé là, on va mettre un x8. Voilà, là c'est parfait. Néon. Ah ouais, on a oublié de mettre les néons. Ok. On va l'activer. Hop. Hop. Voilà. Hop, on le sauvegarde. Replace. Hop. Je regarde si ça a bien sauvegardé. Ok, parfait. Ok, dommage pour les fenêtres, les gars. Ça aurait été trop magnifique. Et des VR. T'es là et il y a encore le truc. C'est le menu pour modifier les roues là. Tu te souviens de ça, DVA? Est-ce que t'as encore ça? Tu peux l'activer ça ou pas? Comme ça on fait un truc stylé avec les roues. On peut rabaisser, je crois. Vous vous souvenez, les gars, où on pouvait pencher les roues là? Je sais pas s'il est là. Mais le problème, on peut pas customiser les voitures. Attends, peut-être ici. Non. Là, il est pas là, je crois. Bon, attends, on va appeler un peu là. Ta tête serait le mieux, je pense, quand tu veux. On voit la pause. D'abord, je vais aller me changer. Waouh! Il drift bien! Merci. Ah, bon, comment on va s'habiller? Putain, les gars, je suis chaud en ce moment. Quatrième live en deux jours. Je kiffe la musique. Ouais. Je kiffe trop. Ça met trop dans l'ambiance. Attends, on va regarder après le message. Attendez. Oh. Faut qu'on ajoute des nouvelles
Ah, pour mon nouveau perso, je vais ajouter des vêtements modés, moi. J'ai envie de mettre ma veste de l'époque, là. Flash. Vous souvenez, c'était où? La veste de Flash, c'est où, les gars? C'est quel numéro? Dites-moi que vous vous rappelez, s'il vous plaît. C'est 18, vous êtes sûr? Non. Comment vous vous souvenez de tout ça, hein, vous êtes sûr? Putain, je suis dans la merde, les gars. On va aller au truc. Ouais, jamais, t'es fou. Je vais pas mettre un gros masse nuageuse comme ça sur moi, wesh. Allez, trouvez-moi ça, là. DVA, il a ajouté, merci frérot. Je vais mettre un petit chemise comme ça. Pas. Donnez-moi le numéro, s'il vous plaît. Merci Enzo. Faut que je me souviens du modèle, comme ça je change la couleur après. C'est ça, non? Non, même pas. Ça? Il faut qu'on mette le flash quand même. On est d'accord? Voilà. Je savais que j'allais le retrouver. Plus l'oublier maintenant, les frères. Voilà. Do my best not to let you down, so feet don't fail me now, cause I am walking the tightrope, I am walking it for you, I am living on high hopes, now that casquette, ça marche pas parce que j'ai une tenue modée. Ouais, putain. Et là, il faut que je lâche. J'ai mis deux H. Non, je suis pas un racaille, moi. Je suis pas la racaille, moi. On va aller voir Liam avant. Faut que j'enregistre mes numéros après. Flash. Ouais, y'a pas de frein! Frère, y'a pas de frein sur la voiture! Oh non! Double, merci! Je vais aller réparer ma voiture. Hein. Regarde, là je freine, regarde, je freine! Wesh! Ça se règle, ça? Comment? Avec ça? Je vais régler avec ça, moi. Oh, fou!
Freinage, je vais mettre un peu de freinage. Hein. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. On va réparer ma voiture. On va faire les choses proprement quand même. Voilà. Voilà. Réparation. Ça comptait pas en plus, les gars. Ok. Vous savez que la GTA, ça fait longtemps, la GTA. En vrai, après, je vais prendre la GTA, moi, les gars. Allez, c'est parti! Attends. Il m'a ajouté le truc. Regarde. Je sais pas, je mets comme ça déjà, on verra. Par contre, il tourne bien, les gars. Merci, DV1. Ouh. Ah, par contre, là, je suis désolé, je l'ai pas touché. Hein. Bref, allez. Ok. C'est pas le karma, ça. On va le réparer après. Eh, je l'ai pas touché, les gars. Je passais près. D'habitude, je passe près, ça passe. Hein. C'est bon. Pas de soucis. Même j'ai mis le frein, il galère toujours à freiner, hein, je vous jure. Marche bien la voiture. Je dois faire une course aussi avec Jerry. Merci à Tox. Elle tient bien la route, vous avez vu? Bon, après, ça remplacera pas la GTR, mais bon. Ah merde, genre. Là, vraiment, les gars, j'ai regardé le chat. Yartrox, merci. Vraiment, je regardais le chat, vraiment. Là aussi, je regardais le chat. Vraiment, je regarde. Arrêtez de me perturber, s'il vous plaît. En même temps, je la teste là, je vais à fond, je regarde c'est quoi ses défauts. Vous voyez? Merci, Ah, j'ai pas vu. Nino! Ah, c'est bon, croyez pas, c'est bon. Comme vous voulez. Pas vous oublier à croire quelque chose non plus, hein. Les gars, ce soir, je vais essayer de trouver une meuf pour Milo, hein. On fait tout, les gars. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé, Erwan? Merci, Erwan. Ah ouais. Je vais pas aller comme ça. Il m'envoie une pause à la boîte, frère. À la Comedy Club. Bon, on parlera là-bas. Mais je suis pas habillé, les frères. On va aller s'habiller, non? Je vais pas y aller comme ça, non? Est-ce que j'y vais comme ça? J'y vais comme ça ou pas? Quoi? Ça fait pas habiller, hein.
On s'en bat les couilles. Par contre, faut réparer la voiture. C'est pas, est-ce qu'on prend la GTA ou pas? J'ai envie de prendre la GTA, moi, les gars. Ça, on garde pour tout à l'heure, ok? Ma GTA, elle est là. Ne vous inquiétez pas, j'ai un garage exprès, moi. Ça fait longtemps que j'ai pas étudié. Eh, la GTA, elle est avec moi, je m'en bats les couilles, frère. La GTA, elle est avec moi, moi. Quoi, Jason? PKI, Jason, hein? À un moment donné, faut arrêter. Tac, tac, tac. Voilà. Il est là, mon bébé. Ça, les vitres sont teintées. La musique, il a bugué, wesh. Ok. Maintenant, comment on va faire pour sortir ici? La GTA. Tenue de route incroyable. Là, il est trop cheaté, là, par contre, non. J'ai plus mon pack de bruit, on dirait. Frère. Il est trop cheaté, attends. Les gars. Regardez en haut, les gars. Regardez en haut. Non, rien. Bon, allez, bref, allez. Regarde ces moukats, ils sont là. Hein. Que des gros véhicules. Trop de véhicules modés, je vais crash là. Il y aura des problèmes là, à mon avis. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter de faire des détonations avec voiture? Parce que là, ça va gêner. Excusez-moi, écoutez, c'est pas de ma faute, la voiture elle est puissante, c'est pas de ma faute. Oui, j'aime beaucoup, mais le problème c'est que là ça va nuire à notre entreprise. Et ça te désactive pas, monsieur, c'est naturel. Hein. Ouais, je sais, je connais bien, mais pour éviter, enfin. Un ouf lui! Il est fou lui! Ah bah non. Il a serré dans sa tête, les gars! J'ai pas compris, hein. Attendez, j'arrive les gars, hop, je verrouille juste. On peut rentrer ? Une caméra. T'as dit quoi ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Une caméra. Putain, arrête tes conneries, Milo. Tu sais pourquoi je suis blessé, frère ? Rien fait. Ça va, Romain, ça va ? Ouais, ça va ou quoi ? Ouais, ça va. Papa, la veste. Je suis un peu en retard là. Ah, ouais. Putain, pourquoi il me. C'est bon, t'inquiète, sérieux. Ça va, Ron? Ça va et toi, tonton? Ça va. Apparemment, tu voulais me parler? Ouais, faut que je te parle. Maintenant ou après? Comme tu veux, tu veux profiter de la soirée peut-être avant. On parle à l'intérieur au pire. Très bien, ça me va. Ça va, Milo? Ouais, ça va tranquille. Ok. Je veux un. Écrit Milo dessus, pareil. Quoi? Ou Underlock. C'est un trop gros grand Underlock. Wesh, Underlock, c'est mauvais délire ça. Ouais. Et voilà, c'est ce que j'en étais sûr ça. Trop de véhicules là.
Y'a que des véhicules modés, mais non, on peut plus, regarde, y'a trop. Ça fait niquer. Espèce de dragon. Ah. Ça nique la map. Frère, y'a pas un garage où les gens peuvent garer leurs véhicules, là? Ils sont avec moi, si jamais j'ai fait du coup. Ça va, Angela? Wesh. Elle a disparu. Avec quoi, une bonne soirée. Bonsoir. C'est ici l'entrée? Ouais, c'est vous rentrez, c'est de deux points gauche. Bonsoir mademoiselle, vous allez bien? C'est combien? Elle fume. S'il vous plaît, c'est combien? Il a pas recul. J'ai déjà réservé, t'as rien à payer. Non mais elle, c'est combien? C'est pour Milo. Non mais... T'es habillé, hein, Ron. Ah merde, ouais. Pourquoi elle est toujours en mode chouin comme ça? Je sais pas, moi. On dirait elle a... C'est pas... Désolé, hein. Elle dort ou quoi? Ouais, non, je suis là. Ah, c'est combien? Ah, c'est gratuit, tu peux rentrer, c'est bon. Non, pour toi, famille, t'es combien? Tu vas fermer ta gueule? C'est pour Milo. Pour moi, maman. Ben, mais carrément pas. Fin prix. Milo, bonjour. Je suis ta mère, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tout ce que tu vas faire, c'est une gifle. Je pense que tout le monde est rentré, on va bientôt fermer et commencer le show, non? Ouais, une gifle. Ils sont en retard, moi. Baf, rac, tu vois. Affirmatif. On peut mettre ça, la vie de la belle. On dit les portes des vagos là. Ah, tu vas laisser ton bandana, toi. Je sais pas, j'ai envie. C'est où l'entrée? Ça prend, on fait un 10-18. Hein. Ah merde, je me suis trompé. Ah, excusez-moi. Ouais, mais là, c'est... C'est où l'entrée, putain de merde? Waouh. Il est le mapping, putain de merde. La mademoiselle. Tu veux quelque chose à boire, Aaron, peut-être? Ouais. Du whisky, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît, pour lui. Voilà, monsieur. Tenez. Incroyable. Okay. Et un coca. Faut que je me détends. La gauche ou la droite? Ouais, bah, sans whisky, t'inquiète pas que tu vas te détendre. Ok, je te fais confiance. Merci. Un coca, s'il vous plaît. Merci. Un coca. Coca. Je vois. Oh, go, hein. C'est là-bas en face. Non, bois pas, rang. Ça fout les feux. Ouais, non, je rigole, je vais pas boire, vous inquiétez pas. C'est où? Ouais, merci, au revoir. Non, mais je suis là pour assurer un petit peu la sécurité, comme vous avez vu. Attends. Je m'assure que tout aille bien. Et il y a une petite musique et tout. Voilà, vous avez vu. Waouh, c'est joli, hein. Ouais, tout à fait, okay. Ça va. Là, pas c'est problème. Pas mal. Ils comment font quoi derrière eux? On excuse-moi. Appelle une pute qui suce pas. C'est mon figurant. Je peux savoir avant ce que vous faites? Si je fais ça. Bah moi je suis DJ de la soirée et lui c'est mon figurant. Ok, moi je vais... Il vaut mieux là. J'allais visiter moi. Je pense à quoi? Moi je vais... On prend de verre, non? Vas-y. Bonsoir. Frère, arrêtez de me mettre devant, putain! Y'a quoi à boire? Vous avez vu? Alcool. Alors dis-moi, tu veux quoi? Ça vous fait rire? Tu veux quoi? C'est moi. Je sais rien, moi. Je sais même pas si j'ai le droit, mais il faut que je vous visite, il faut que je vous montre cette beauté quand même. Waouh, le mapping est incroyable! Tu vois bien? Waouh! Oh, excuse-moi! Je suis choqué, les gars. Alors, Hakim, il est prof. Oh! Ah, je sais pas ce qui m'arrive. Là, je me mets ici, moi, les gars. Ah, j'ai le temps de me mettre ici ou pas? Attends, je te relève. C'est quoi l'emote pour s'accouder, mettre ses coudes sur... On va voir, les gars, apparemment ils ont prévu un truc, il y a des chanteurs, il y a des humoristes. Ils ont préparé un spectacle, on va aller voir et après on discutera après. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont préparé. Je vais aller au Wesel News faire une annonce. Ça, je peux sortir. Liam, il lâche pas. T'inquiète pas, Liam. Je fais pas de conneries aujourd'hui. Non, je suis pas là pour ça. Jason, il est pas là? Il m'a dit qu'il allait nous rejoindre. Non, c'est pas ça, les gars. Ah, d'accord. Ça va, t'as pu voir Nina aujourd'hui? Elle veut me voir, justement, aussi, mais... Ça cogne, là. J'irai après.
tu sais pourquoi elle veut te voir peut-être. C'est peut-être à cause de toi, non? Pourquoi tous la voir avec moi là? Non, 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 je voulais pas dire ça. Excuse-moi, excuse-moi. Le respect, excuse-moi. C'est-à-dire que c'est de ma faute, bah vas-y, développe. T'as fait quoi? J'ai rien fait. Toi, t'as merdé, toi, ça se voit. T'as une tête de qui a merdé. J'ai pas merdé, Aaron. Justement, je t'ai couvert encore une fois. Ah bah merde. C'est vrai? Écoute, moi, j'en ai bien payé clair. Qu'un, quoi. Ah, c'est pas trop dur de. J'ai eu une discussion avec elle plus tôt dans la matinée, là, à l'Unicorn. Ouais. Elle était un peu remontée bah, contre moi, tu vois, pêche, de lui avoir caché des choses. Et tire-toi. Qu'apparemment, toi, tu lui aurais menti. Là. Tu vois, elle le ressent, ça, tu vois, c'est pas une Da Silva pour rien. C'est le prix de la bouteille. Oh là, t'es où là? Hola, hermano. Comment est-ce que ça? Allez, vous voit pas, vous êtes où? Tombe. Ouais, viens, on va. Ils ont réservé ici, on va aller là-bas. Putain, y'a quelqu'un là? Ouais, du coup. Sinon, vous allez nous sauver comme des toutous. Je vois personne. Il est là, y'a un mec. Où ça? Il faut qu'il tombe, Vous me voyez pas, monsieur? Attendez, faut savoir où vous allez, messieurs. Vous êtes où? On vous voit pas. Là, voilà, là oui. Ah, voilà, c'est bon. C'est où, c'est où réservé, c'est où pas réservé? C'est ici, votre table elle est là. L'eau. Bonne soirée, monsieur. Si. Ouais. Attendez bien. Tombe, Renito, s'il te plaît. Tenue correcte, regardez quand. Je sais pas. Ouais, du coup. Bref, j'ai parlé avec elle. Ok. Je lui ai dit où on était hier. Je lui ai seulement dit ça. Ah, t'es ouf, moi je vais plus la revoir, moi. Attends, écoute. Ah, moi je quitte la ville, je vais plus la revoir, moi, elle va me tuer. Non, mais t'es sérieux là de ce que tu dis là? Frère. Tu vas te marier dans quelques jours. Mais là, elle va me démonter. Comment on appelle écoute, un ours qui hier, vient à la fois au pôle Nord et au pôle Sud? Elle s'est démenée pendant que toi t'es en train de t'éclater à préparer votre mariage. Moi aussi je préparais mon mariage. Tu parais comme un lâche. Je préparais mon mariage, moi. Bipolaire. Ouais. Je te promets, en même temps, j'étais sur mon téléphone, j'ai commandé. Quelle meuf, je les ai pas touchés, j'ai juste frôlé. Tu les as pas touchés, je sais très bien, c'est pas ça là dont je veux te parler. J'ai juste je m'en fous de la soirée. Frôlé. Le problème, c'est que tu lui as menti. Tu lui as dit que tu travaillais hier. Le problème, ouais, chez qui c'est ça que je travaille justement. Parce que pas tu sais quoi hier, je veux acheter une boîte de nuit et je suis en train de regarder laquelle non, je vais acheter. Combat, tu l'entends pas de là. Pourquoi une boîte de nuit? Mais t'es sérieux ou quoi? Un peu comme ça, ça rapporte. Je pense que c'est combat, on en a deux. Ok. Écoute, faut que tu lui parles. Bah là, il est très très stressé. Ouais, je vais lui dire que ouais, j'avais rendez-vous avec le patron de la boîte pour acheter une nouvelle boîte. Non. Je te promets. Tu vas pas lui dire ça. Je lui ai dit qu'on était en soirée hier, qu'on était au nouveau truc qui a ouvert. Je lui ai dit ça. Toi, tu veux me. Je lui ai rien dit. Crève, toi. Je tu sais ce que ça. C'est une écoute, femme en colère, toi. Écoute-moi, elle a pas été en colère. Ce qu'elle te reproche juste, c'est de pas lui avoir dit la vérité. C'est tout. J'ai dit la vérité, j'ai dit je vais bosser, mais t'as pas dit la vérité, t'as dit que tu travaillais. Donc va te rattraper. Toi, fais ton kit, toi. Ok, donc à toutes les personnes qui nous ont la chute, vous demandez de chuchoter que vous parlez pour éviter les. Là, chuchote, tu m'entends bien là simplement. Du coup, merci, passez une excellente soirée encore. Écoute, ce soir, rattrape le coup avec elle. Tu lui dis clairement que t'as fait la fête hier, que t'as fait ton enterrement de vie de garçon, sans rentrer dans les détails, mais sois franc avec elle. Ouais, à cause de toi, si t'aurais rien dit, si t'aurais pas dû faire cramer. T'aurais préféré que je dise que t'étais avec des meufs. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu disais qu'on était là-bas? Je faisais confiance, William. Elle était pas bien. Et moi, tu sais quoi? C'est vous qui m'a amené là-bas. Écoutez, c'est vous qui m'a amené là-bas. Moi, je vais lui dire, moi. Ah, c'est de ma faute maintenant. T'essaies de retourner la veste de la situation. T'inquiète pas, on verra bien qui aura le dernier mot, William. Attends, je suis tout de ma gueule. On est mieux, moi, je vais lui dire, moi. Ouais, je voulais pas y aller, Jason. Très bien, je l'appelle maintenant, je lui dis que t'étais avec des meufs, c'est bon? Arrête. Ok, t'es sûr ce que tu vas me faire là? T'inquiète. Joue pas à ça, ça sert à rien de s'énerver, on verra. Écoute-moi, Aaron, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai couvert hier, t'as compris? Je lui ai même pas dit la vérité, je lui ai caché. Tu m'as couvert, mais tu lui as dit qu'on était là-bas, en boîte de nuit. Je lui ai juste dit qu'on était là-bas, qu'on passait une bonne soirée, c'est tout, rien de plus, et elle l'a bien pris. Le problème, c'est qu'elle a mal pris, c'est juste que tu lui as pas dit la vérité, c'est tout. C'est juste ça qu'elle te reproche, elle mais te reproche vérité, pas d'avoir. J'avais rendez-vous avec le patron de la boîte aussi. Toi, tu l'as pas vu ça? C'est là? Dans ce sentier-là, tu veux vraiment t'enfoncer là-dedans? Ok. Tu lui dis la vérité, tu joues franc jeu avec elle, je et ça lui se la vérité. Bien. Ok. Je vais lui dire la vérité. T'as pas intérêt à dire, ouais, Liam, il m'a dit je ne sais quoi, parce que. Hein non, vraiment, je vais lui dire la vérité, t'as raison. J'attends que ça finisse la soirée. Ouais. Et... Ça dis la vérité. Commencé. T'es sûr, Aaron? Quelle mauvaise foi, c'est mauvais foi, Aaron! T'es sûr que tu vas l'avoir? Ouais. Merci, tu en tout cas. Tu vas lui dire quoi? Je m'en sers. Que voilà, je voulais un petit peu passer un bon moment avec mon tonton et
Ah mais ça va ouais, commencer. Mon beau-père pour apprendre un peu plus à les connaître et on est parti boire un petit verre et... Bah je viens de la faire. Voilà, c'est tout simplement, c'est tout quoi. T'as un peu une tête de menteur mais mais sinon ouais je vais te croire pour cette fois. Ah attention ça commence. Ouais je change de sujet ouais. Waouh. C'est quoi ça wesh? Bonsoir le Santos. Comment vous allez? Comment vous allez ce soir? Bonsoir à tous et à toutes, merci. Oh mon dieu, tous ces applaudissements, merci, merci. S'il vous plaît les gars, merci. Comment on fait pour s'accouder? Donnez-moi vite l'imote. Ah, quel accueil, merci beaucoup. Bienvenue à tous à l'inauguration du Split Side West Comedy Club. Il y a un micro qui fait une écho là, non? Je m'appelle Meredith Gray et je vous accompagnerai ce soir à travers nos divers talents. Donc on m'a dit que cette ville cachait beaucoup de talents. Bien, on va procéder au premier. C'est sans attendre que je laisse Titeuf prendre la scène. Linbar. Incroyable, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Un, deux. Oh. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien, vous me voyez. Il va faire du mourir. Alors, pour tous ceux qui se demandent pourquoi j'ai une sale gueule, ben ma main droite, elle va vous répondre. Non, je rigole. En vrai, c'est une ancienne coupe que j'avais. Il est con. On a décidé de la mettre à l'honneur aujourd'hui, ce soir. Histoire de passer pour un con. Voilà. Merci à celui qui rigole. C'est le meilleur. Bon, là vous demandez pourquoi je suis en caleçon. C'est quoi ce bordel? Oui. Oui. En dessous en fait j'étais à l'hôtel avec ma compagne. Bon je raconte un peu ma vie parce que j'ai pas que ça à dire. D'ailleurs c'est elle qui a fait mon maquillage. Merci à elle. Elle a dit que je ressemble à une chinoise. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je pleure. Ouais, je pleure. Il a serré. Il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent pourquoi je m'appelle Titeuf, d'accord? C'est tellement nul, mais que c'est drôle. Ma mère, elle aimait tout simplement regarder ce dessin animé, vous savez? Titeuf, le petit couillon à l'école et tout. Mais en fait, ça, c'était moi. Moi, j'étais comme lui. J'aimais jouer à la Game Boy, au Grand Mugule, etc. Elle a décidé de m'appeler Titeuf. Et Dieu merci, j'ai pas eu de sœur. Parce que sinon, j'aurais une sœur qui s'appelle... Vous savez de quoi je parle, hein. Cabo. Entre jambes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce soir, je suis pas tout seul. Je suis accompagné. Dernièrement, j'ai rencontré une fille. Une belle fille, attention, pas n'importe quoi. Tout ça parce que j'ai trébuché et ça a été le coup de foudre. Et je sais pas, il y a un truc... Un feeling, et... Je suis mort. On a décidé de refaire des scènes de film. Dernièrement, on a fait Alerte à Malibu. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Alerte à Malibu? Est-ce que vous connaissez? Oui, ouais. Oui, ça se passe comme ça. Ah, ah. Oui, secours. Oui, je t'entends. Attends, j'ai une intervention, je reviens. C'est mon chou à la crème. Ah ouais, ils sont chauds. Attends, non, mais là, ne bouge pas. Ah, tiens-moi. Ok, bouge pas. Je vais te mettre sur le côté. Ah. Attends. Est-ce que je peux... Ouais, mon joint, je mets mon joint quand même. Je joue mon joint. Est-ce que tu m'entends? J'ai pas le droit de fumer, moi je fume, moi. Putain, j'en peux plus. C'est des fous. Ah, ne bouge pas. Je sais exactement ce que je vais faire. Je t'entends pas. Aïe. Allez, aïe. Reviens. Aïe. Aïe. Attends, mais tu fais ça sur quoi, là? C'est sur 11 heures, ça. Tu me touches pas. Ça passe. C'est pas normal, ça. C'est pas là qu'on a fait le massage gradiaque. Ah si, c'est bon. Ah, d'accord. Bon, c'est vrai. Il y a certaines personnes, leur cœur, c'est ici, tu sais. Passe à la scène avec tes pouvoirs, t'es fou quoi. Je sais pas si t'es au courant. Ça va, c'est drôle. Parce que les gens dans la salle, leurs cœurs ils sont en bas.
faut le pomper. Eh, mais là, c'est une dinguerie, là, ici. Bouche à bouche, bouche à bouche. C'est bon, là, je crois que je suis vivant. Bouche à bouche. Eh, c'est pas cette zone, señorita. Mais qui êtes-vous? Je suis Pamela. Pamela, merci. Tu m'as sauvé la vie, Pamela. Pamela. Je suis love de vous, Pamela. Et je suis love de toi. Oh, merci. À quand le nouveau perso? Bientôt, bientôt, voilà, frérot, t'inquiète, Lolo. Monsieur, c'était court. J'espère que vous avez bien rigolé. Je laisse ma place. Bravo, bravo, bravo. Bien joué, bien joué. Merci. Ouais, on n'aime pas Ella, on n'aime pas Ella, Samuel. Bonne tonton. Soirée à vous tous. Ouais, ouais. Super. Lourd. Bien joué, Titan. Incroyable, incroyable, incroyable. Très bien. Je vais maintenant appeler monsieur Jerry Khan, s'il vous plaît. À votre tour. Vas-y toi, moi je fais pas inscrit moi les gars, je vais rien faire moi, t'es fou. Moi je regarde juste spectateur moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Milo? Fais la transition Milo. Fais la transition Milo. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, tiens mets ça. C'est des cracher lunettes. Du feu. Non. C'est des lunettes. Mets ça. Qu'est-ce qu'ils font wesh? Ça. Ils vont faire DJ. Je sais pas comment mettre la transition. Mets des lunettes. Restez yeux. Il est parti où le Jerry-Kan? Ok, je mets tes lunettes. C'est quoi ça encore? Bonsoir. Pilou, c'est à toi. Bonsoir, Jerry. Bonsoir. Ça va bien? Si, moi bien. Ah, même. Alors. Bien, parce qu'on est là. Eh bah, parfait. Parce que ce soir. Je vais vous chanter une musique. Ouais, une chanson très douce. Qui va parfaitement avec mon style vestimentaire. Personne réagit. Qu'est-ce qu'il va faire encore lui? Pas de vrai hein. Ouais, c'est pas mal. Non. On fume pas ici. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine. Il venait d'Angleterre, cette année pas la même. Mais ma passion n'est pas là, bientôt je pars de chez moi. J'embrasse en nommant ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais, je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelqu'un. Que par être quelqu'un à part, tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur, qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal. J'ai des frissons. Je pour mes frères et sœurs. Je Amélien, t'es un bâtard, bien, frère. Le mal fait son peur t'as moi. T'as je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, merci, je bosse, j'avance avec bravoure, avec des potes, je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour, le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. Oh my God. J'ai grandi dans mon ghetto modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste, je crois. Mais il connaît bien les paroles en tout cas. À l'importance des textes, je n'ai dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco. Regarde Milo là-bas. Je suis comme la peste. Bon sens c'est le route que je balance même à la messe. Quelques galères. Mais les morceaux s'enchaînent. On n'a pas le droit de fumer, mais regarde-moi. Les producteurs terreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Non, j'adore le football. Depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule, pleine balle, et que je la prenne où que j'aille. La weed me fait du bien, et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs, je les ai su. Je vais niquer Jason et Liam, je vais leur foutre dans la merde. On va leur faire porter le chapeau. Je vous jure, je vais leur faire porter le chapeau. J'ai 30 ans, mes chansons résonnent. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant, maintenant appelez-moi Bob.
Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner si, ma veste. Si. À un moment donné, faut arrêter. Arrêter de prendre les gens pour des cons. Subi l'influence des terres de l'Ouest. Arrêtez. J'aime les fans qui m'accompagnent. Voilà, dis-leur, Aliou. J'accorde la douceur des mots. Voilà, Aliou. La force des écritures. Je porte de gros chapeaux. J'aime la weed quand elle est pure. Je n'abuse c'est moi pas qui dois arrêter de prendre les gens pour des cons. Voiture. Ça me sert, c'est incroyable. Comme les foules se déchaînent. Des daddies nous ouais, ça finit plus quoi. Qui s'enchaîne partout où je passe, secret des marées humaines. Mon message n'est pas chez ouais, il connaît chaque tout, jour, hein. Je le probagne. Il est à fond, mec. J'ai enfin trouvé mon père, il vit en Éthiopie. J'ai aussi trouvé ma terre, celle qui a vu naître la vie. Les yeux posés sur le monde, je tisse ma philosophie. Plus jamais personne au monde l'ayant lu ne n'oublie. Malheureusement, le contexte politique est tendu à l'approche des élections. Les jeunes se tirent dessus dans la rue. Je sais que tous mes frères s'entretuent, ça m'écœure, tout se sent comme des hommes. T'es pas dans le script, ça. Et vient mon tour lorsque ces fous pénètrent dans ma cour. En plein jour et tape sur leur cachette comme des sourds. Marley assassiné par de dingue et un fêlé. Nossa, c'est du ciné. Remettre ton flingue sous scellé. Le combat s'est maintenu et le combat continue puisque la balle n'a pas ôté l'espoir de ma vue. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. C'est pas, Liam, c'est pas l'heure de mourir, c'est pas non plus la manière. Il y a des gens qui comptent sur moi et moi je compte sur les gens. Sur les j'ai gens le temps de regarder un peu le mapping. Ce sont les plus dérangeants, c'est avec eux. Jackie Chan, il est là. Solide comme la soudure. Kumba. Jusqu'au dernier soupir. Kumba, fais pitié. Fais pitié, on a volé sa dodge. Voilà. Ouais. Bravo, le talent. C'était bien. Purée. Ouais. C'est un vrai combat, allez, ça. Oula. Waouh. Quelle présentation incroyable. Oula. Nous allons maintenant laisser place à monsieur Kumba. Kumba, s'il vous plaît. Il manque du sang. Hop là. Vas-y, beau gosse. Kumba. Ah. Ouais, Kumba. Je suis vraiment désolé. Oula. Ah oui, il y a du monde. Ça va aussi, non? Ça va ou quoi? Ah bah attendez, je fais coucou à tout le monde. Coucou, même ceux qui sont en haut. Il y en a pas ouais, en haut, Kumba super. Si, il y en a en haut. Donc, pas de soucis. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va. Voilà. Bah écoutez, si vous allez bien, c'est super ça. Quoi? Ça va pas? Oh, pourquoi ça va pas? Dis-moi tout. Allez, on discute, on est là. Non, écoutez, je vais vraiment faire mon petit sketch, tranquille. On est là. Donc, par où je vais commencer? Bah écoutez, je vais parler un peu de moi. Je vais vous parler un peu de ma vie. Ce qui fait que je suis l'homme. Ce qui fait que je suis un homme comme ça aujourd'hui, etc. Et pour commencer, je vais parler de mon enfance. Donc tout d'abord, voilà, je suis né en 1991, comme ça vous connaissez à me connaître, etc. Je suis né à Cayenne, je sais, dit comme ça, ça pue un peu la merde, mais bon voilà, on choisit pas celui de naissance. Hein. D'ailleurs, trois ans après que je suis né, j'ai eu une petite sœur. Hein. Jusque-là, rien de bien fou, c'est une enfance plutôt banale. Moi, quand j'étais jeune, on manquait beaucoup de moyens. Moi et ma soeur on dépendait beaucoup de ma mère. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai tété le sein de ma mère jusqu'à mes 16 ans. Oh. Il est là le truc du cul. Original. Oh, ça vous fait rire. Super. Il a fait quoi? La partie con. Ah ouais. Non. C'est chaud, hein. Je troll toujours. Ensuite, j'ai quitté le coco familial et j'ai été vivre un peu en Belgique. Ouais, les amis belges, je vous fais coucou. Je fais coucou les amis belges. Et me demandez pas pourquoi, non, là, pourquoi j'étais là, je sais même pas, on m'a emmené la force, voilà, j'ai pas choisi, écoutez. Et là, j'ai eu mon premier rendez-vous amoureux, et je l'ai raconté à mon ami Edouard. Et mon ami Edouard qui est juste là, coucou Edouard. Et il m'a répondu tout à l'heure, il m'a dit, écoute Kumba, je vois que sexuellement parlant, tu es comme qui dirait la dalle. Du coup, je peux te proposer de t'installer une antenne sur ta voiture qui détecte les femmes. Moi, il participe, les gars. Sur un rayon de 20 km. Il n'y a pas beaucoup de gens qui participent. Dire que je lui ai fait installer. Au moins, il participe. Ensuite, d'ailleurs, excusez-moi. D'ailleurs, les hommes en couple, là, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît.
Qui est en couple? Ah, moi, je suis allez, pas levez couple. La main, les hommes en couple. Je crois qu'il n'y en a pas. Ah si, il y a un monsieur que là, des célibataires super, ici, monsieur. Super, ma vanne va marcher. Écoutez, monsieur, c'est quoi votre nom? Dites-nous, créez-nous votre nom. C'est Westy. Ok, Westy, ça va, Westy? Ça va très bien. Ah ben, c'est super, c'est super. Dis, j'ai une question, est-ce que tu es satisfait de ta femme? Bah écoutez, le mapping, il est incroyable. Elle a 5 doigts, c'est parfait. T'es sûr de ça? Bah ouais, c'est ma main droite. Donc oui, t'es satisfait de ta femme. Ah, c'est ma main droite. Oui, c'est ma main droite. Écoute, je vais quand même continuer mon truc, pas de soucis. Bah écoute, c'était pas un vrai oui, on va dire. Ben bah, voilà, tu comprends, c'est tu vois. C'est un oui de beauf. C'est un... Ah ouais, t'as un peu. Mais c'est décevant, y'a pas dans mon couple ici. Aucun. À part l'autre avec sa main. Aucun. Moi je dirais moi. Y'a pas l'état-major, sinon ça va être plus drôle. C'est dommage, ben. Bah, y'a moi. Oh, t'es où? Y'a Titeuf. Titeuf. Ouais, je crois, hein. On est en couple, non? Mais, oh, je ne. Non, écoute, on va continuer. Écoute, Titeuf, ta femme, elle te satisfait. Oui, bien ouais, sûr. C'est pas un vrai oui, ça, c'est genre un oui de survie. Oui, non, monsieur. C'est un oui en mode. Bon, écoute, j'aimerais bien qu'elle me taille une pipe en rentrant, donc je vais dire oui, quoi. Ah non, faut pas dire ça. Ça, c'est des choses naturelles. Ah ouais. C'est sûr que toi, t'en aurais besoin d'une, en tout cas. Oh là là. Oh, arrêtez de me déconcentrer, là. Tu sais, je suis sûr, je parle à ta meuf en privé. Je lui demande son prince charmant quand elle était petite à quoi ressembler. Ah, bande de bâtards. Excuse-moi, mais je parlais ce que tu veux, c'était pas ta gueule à laquelle elle pensait. Enfoiré. Eh, heureusement qu'elle n'était pas toi, parce que tu sais, dans Disney, il n'y a pas que les princesses, il y a aussi le roi lion, et toi, t'es Pumba. Ah ouais, bon. Ah, ça compte votre classe, là, ou pas? Classe à pique, hein. Ça lance des balles de match des deux côtés. On en était où? J'aime bien ce petit moment de vide, là, où vous me regardez comme ça, là. Vous regardez, vous vous demandez ce qui se passe et tout. Ouais, c'est sympathique. Tais-toi. Écoute, moi j'aime bien ce moment et ça fait que... Oh. J'ai mon téléphone qui sonne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, c'est le téléphone qui sonne. Allô? Allô? Quoi? Je comprends pas. Non, j'applaudis. Frère, ça marche. Je te laisse, je comprends pas ce que tu dis. J'ai rien compris, c'était derrière, il me dit... Ouais, allez, Kumba, on tire dessus, allez, j'en fais des tirs. Frérot, c'est bon, à un moment, soit tu tires, soit tu pars au téléphone, tu fais pas les deux, je sais pas ce qu'il veut. Lui. Écoute, tant mieux, mon pote, tant mieux. Bon, allez, on reprend. J'ai parlé sur non, mais ça fait partie de son sketch, les ça, les gars. On va pas se mentir, les hommes, pas... plus. Et toi, là-bas, là, toi, la James, je t'ai vu sourire dès que j'ai dit ça, hein. Je t'ai vu, hein, cochon, va. Qu'il est con, celui-là. Et toi, écoute-le, toi frère, je vais descendre. Viens, lève-toi, on va parler un peu. Vas-y, lève-toi. Oh le con, il fait tout ce que je fais. Envoyez-moi une musique tranquille. Là. Oh le bâtard. Ouais. T'inquiète pas mon cœur, moi je fais pas ça. Hein. Dites les mecs, vous avez été au bar hier. Moi j'aime pas ça. Bar à pute, là. Moi j'aime pas ça. Oh putain. Est-ce qu'il y en a qui ont été au bar à pute hier? Ouais, bar à pute non. Si tu veux. Ouais, écoute, laisse-moi. Oh. Qui a été? Wow. Ouais, on y allait, okay, ouais, super. Voilà. Moi, j'y suis allé. Ok, bah écoute, Abby, un sketchshot. T'es pas un bar à pute. Et quoi si, un t'es peu magicien, même. Toi, non? T'es un bar à striptease, un peu. Moi, je suis magicien. Ouais, je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Tu montes sur le bar. Ah, je suis professionnel. Ouais. On a des hommes aussi. Imaginons, t'as pas mal de fait. Ouais, je chuchote là. Après. Non, mais oh. Mais ouf, ouais. J'ai été hier, il y avait 3 gousses. Elles sont 100% recyclables, mon frère. J'étais pas prêt. Ah ben bah je te dis, il y a assez de plastique pour en refaire un manoir pour chaque habitant de la ville. Écoute, franchement, il y a l'équivalent d'une dizaine de milliers de bouteilles d'eau réunies. Je te dis, c'est what the fuck. Refait de la tête aux pieds, c'est comme ton kill, bon Kumba. Monsieur, s'il vous plaît. Bah si tu veux, écoute, on va prendre... Je réponds pas, regardez ça. On appelle pas Mélan Anderson, là. Il va me dire c'est pas du recyclage, c'est ça le truc. Si je l'entends pas. C'était totalement recyclable. Donc écoutez, moi je suis venu, on m'a dit, ouais, viens Kumba. Merci le dire. Moi, je suis pas rigolo de base. Il m'a dit, faut pas un petit truc drôle, mais j'ai dû passer des moments de mon sketch parce qu'il n'y avait pas certaines personnes qui devaient être là. Mais j'espère que vous avez passé un petit moment sympathique. Et c'était des bisous. Allez, des bisous. C'est Kumba. Merci. Au revoir, j'ai rien compris à sa voix. Waouh.
C'était pas ouf. C'était long et chiant. Alors, ensuite, je vais appeler Monsieur Tadashi. C'est le dernier sur la liste. Hein. Voilà. Une bonne soirée à tous. Merci. Lui, je sens qu'on va se taper des bas, lui. Tadashi. Tadashi, ça tue, lui. Ah, putain. Vous avez trouvé votre chat, monsieur? Comment ça va dans la salle? Ouais, je m'approcher. Ok, avant de commencer le dernier show, j'aimerais quand même un maximum d'applaudissements pour tous les candidats précédents, parce qu'il faut quand même une sacrée paire de coronets pour venir ici sur scène. Ouais. Ils ont fait du bon boulot, ils ont fait du bon boulot quand même. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Pardon. Ouais. Mais c'est qui ça? Celui qui sort ce trou du cul. Qui a dit ça? Bye bye, celui qui a dit ça. C'est qui? Ok, les gars. On va parler entre nous tranquillement. Est-ce que dans la salle, il y a déjà quelqu'un qui a eu une journée de merde? Ouais, bah, tous les... Oui. Non, ouais, qui non. Ça, ouais, toi, ouais. Toi qui as le métral en premier. Viens sur scène 2 minutes. Allez, hop, allez. Allez, viens, on l'encourage, on l'applaudit bien fort. On l'applaudit bien fort. Ouais, c'est ça qu'on veut. Non. Comment tu t'appelles, mon pote? Curtis. Curtis. Alors, Curtis, raconte toute ta journée de merde. Ben... Rapidement. Faut savoir que moi, voilà, je suis assez fin, j'ai des petits bras. Je sais pas forcément me battre. C'est bon, pas versé. Écrit, monsieur. Excusez-moi, du coup, je disais, je suis assez fin, je sais pas forcément me battre, j'ai pas beaucoup de muscles. Et il s'avère qu'un jour j'étais en voiture et j'avais insulté les personnes devant moi parce qu'elles faisaient de la merde. Ben, ils sont descendus, puis ils m'ont fracassé, quoi. D'accord, on peut dire c'est quand même une journée pas mal de merde. On peut l'applaudir, ouais. Bien fort. Bien joué, mon pote, bien joué. Ouais, bon, bah. C'était pas mal. Je viens de m'afficher devant tout le monde, quoi. Non, c'était pas mal. Moi, si je suis ici, c'est pour vous raconter une journée de merde aussi qui m'est arrivée la semaine dernière. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, parce que c'est vraiment pas mal sur l'échelle de la merditude. Bref, ça a commencé, j'avais un rendez-vous à l'hôpital, chez le médecin des yeux. Je sais pas comment on appelle ça, l'ophtalmologue. Et là, je passe par le quartier des Palaces. Je vois plein de mecs en jaune. Je fais « Putain, c'est quoi ce délire ?» Ensuite, je passe par le quartier des Vagos. Et là, je vois plein de mecs en violet. J'en dis « Les gars, il y a des mecs en jaune dans votre quartier. » Et je dis « Au violet, il y a des mecs en violet dans votre quartier aussi. » Et là, ça part en cacahuète. Bref, j'arrive, je vais à l'hôpital. J'étais sur le chemin. Grosse guerre civile, ça tire de partout. Je vais à l'hôpital. Et là, je vais chez le médecin ophtalmologue. Et là, il me dit quoi? Il me dit « Baissez votre pantalon. » Je dis « Bon. » Ok, pourquoi pas? Je comprends pas trop ce que ça va faire ici. Et là, il met un doigt dans... Ah, t'es journée de merde, je vous l'ai dit. Il met un doigt dans l'anus. Je sors de la salle, je dis, c'est vraiment bizarre, les ophtalmologues à Los Santos. Et là, je regarde, je sors de la salle, et je vois, en fait, j'étais chez le proctologue. Journée de merde. Proctologue, c'est le cancer de la prostate. Du coup, je vais chez l'ophtalmo qui était à côté, je m'étais trompé de plaque. L'ophtalmologue, il fait passer les tests, etc. Et il donne ses nouvelles lunettes. L'ophtalmologue, il me dit quoi? Il dit « Monsieur Tadashi, vous avez un problème. » J'ai dit « Comment ça, j'ai un problème? C'est toi qui as un putain de problème. » Il dit « Non, calmez-vous. Vous êtes daltonien. Vous confondez le violet et le jaune. » Et là, j'ai fait « Oh putain !» Et je suis sorti de chez moi et en fait, les palaces, c'était pas des vagos. Les vagos, c'était pas des putains de palaces. J'ai créé une guerre civile pour rien, juste à cause de mon daltonisme. J'étais vraiment dans la merde. Du coup, là, je me dis, ok, tranquillement, rentre chez toi. Du coup, je rentre chez moi tranquillement. Et là, mon colocataire est plus là. J'ai fait, c'est quoi ce délire? Il a été kidnappé. Du coup, je me dis, à tous les coups, il est parti avec les armes que j'ai chez moi. J'ai beaucoup d'armes, j'ai beaucoup de drogue. Et là, il y avait les armes, les drogues et tout mon argent. Du coup, j'ai fait, ok, c'est un putain de kidnapping. Du coup, je vais au Comico, je prends ma voiture, je vais à 2000 à l'heure. Là, j'arrive au commissariat et je leur dis, il y a un putain de kidnapping. Ils ont dit, écoutez, il y a une putain de guerre civile entre les Vacos et le Palace. On ne sait pas à cause de quel trou du cul, raid, mais c'est un kidnapping, c'est important. Expliquez-nous la situation. La situation est simple. Mon colocataire a été kidnappé. Ils disent, faites-nous un descriptif du colocataire, on va trouver. Du coup, je fais un descriptif du colocataire. Je dis, mon colocataire a quatre pattes, il s'appelle Grisouille. Et là, ils disent, pardon? Je dis, oui, c'est mon chat. Et là, ils font, ok. Les forces de police m'ont dit comme quoi ils avaient mis toutes les forces sur le coup. Du coup, je suis plutôt content. Et je sors du Comico, je me roule un petit pétou devant le Comico. Tranquillement, je reprends mon souffle, putain. Vous avez un verre d'eau? Non? Ok. Tant pis, je continue. Attendez, on va vous le jeter. Ok, merci. Du coup, je continue rapidement. Et là, je suis devant le Comico en train de fumer mon petit pétou. Et là, il y a un flic qui vient. Il venait de servir son service. Vous savez, c'est celui qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Ouais.
Et lui, il me dit, bah écoute, moi je connais un endroit où il y a plein de chattes. J'ai fait, ok, on y va et tout. J'ai fait le tour de toutes les animaleries. Et là, il m'emmène dans une boîte, un truc bizarre, l'unicorne. J'ai dit, je veux pas des licornes, je veux un putain de chat. Je cherche, c'est pas des quadrilles. Du coup, on arrive, on est à l'intérieur, etc. Et là, il y a un pote à lui qui le rejoint. Et le gars, il dit, comment ça va, Raoul? Ça roule, Raoul? J'ai dit, putain, c'est quoi cette expression de merde? Il dit, mais non, c'est mon pote, il s'appelle vraiment Raoul. J'ai fait, ok, tranquillo, tranquillo. Du coup, il spot, et là, il commence à danser collé serré, les deux. Du coup, je fais, ok, je me casse d'ici, c'est vraiment pas ici que je vais trouver mon chat. Du coup, je les laisse entre eux, ils se font des bisous, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, ils sont droit de faute, etc. Je m'en bats les couilles. Du coup, je sors de l'unicorne, et là, je vois quoi? Des putains de balasses qui étaient vénères, des putains de sacos qui étaient vénères, et la meuf du putain de flic. Ils voulaient tous ma peau. J'ai fait, oh putain, t'es dans la merde, Tadashi. Du coup, je vais tout de suite dans la ruelle de derrière. Et là, je tombe sur un petit garçon de, je sais pas, 10, 11 ans, habillé tout en blanc avec une putain de Ferrari. Je fais, ok, mon petit pote, je vais réquisitionner ta voiture. Et là, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ce soir, c'est mon anniversaire, tu prends pas ma voiture. J'ai fait, oh, on se calme, il y a la moitié de la ville qui veut ma peau, je vais prendre ta voiture. Du coup, je vais carjack la voiture et je me pars avec la voiture pour rentrer chez moi. Parce que c'était vraiment une journée de merde. Et là, je tourne à droite et la voiture va tout droit. Putain, c'était une putain de voiture télécommandée. Comment je voulais savoir que ce putain de gamin avait une voiture télécommandée? Parle de Tom. Du coup, j'ai fait, ah oh, putain, je suis dans la merde. La voiture roule, et là, je termine droit dans les égouts. Dans les putains d'égouts, dans les putains de marécages de Los Santos. Je réussis à m'échapper, j'ouvre la fenêtre. Tom, je nage littéralement dans la merde. Vous savez ce que c'est la merde? Littéralement dans la merde. Et je commence à m'échapper, je m'échappe. Et là, je tombe sur un putain de crocodile. Oui, un putain de crocodile qui me course pendant des kilomètres. Je finis par rentrer chez moi, je pue la merde, on m'a bientôt en plastique dans la nuit, la moitié de la ville veut ma peau. Et là, je vois quoi? Mon chat, Chris Douille, qui en fait était sous le canapé. Voilà. Ouais. Ouais. Il est chaud merci quand même. Merci à tous pour votre patience. Bravo Kadashian. Franchement bravo, y'a du level. Bravo. Moi j'avais une bague sur Tinder, merci, mais bon j'ai pas les lâcher. Merci. Bon vas-y, les gars, j'arrive, j'ai fumé le top. Merci pour la soirée, nous avons eu donc tous nos talents qui sont passés. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et profitez du bar bien sûr, et la scène sera ouverte. Voilà. Merci beaucoup. Qui monte en scène? Bravo. Jason, ouais. Monte en scène, allez. Tu t'es carré. T'es de là, toi. Putain. Ouais. C'était... Ouais, pas ouf. Un peu plus long, ça a été bien. Tequila, s'il vous plaît. Ouais, est-ce que là, t'es seul à 100 000 là? Je suis désolé, combat, si t'as fait un bidon. Vas-y, t'es en erreur. Ouais, vas-y. Bonsoir. Ah, mon dieu. Tant pis. Ouais. Il s'est offert quoi? Pour toi? Pardon. C'est possible d'avoir une poisson. Monte en scène, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Toi, t'as pas de talent? Moi je faisais les animations. Merci. Bien joué hein, j'étais bonne hein. Allez. Ah ouais. Allez, vous chanter une petite musique. Tu sais nous on était vraiment là pour. Ah ouais, il te faut une musique ou ouais. Mais pourquoi tu réagis jusque maintenant? On m'appelle l'avenir. Bah y'a plus personne, tu veux chanter toi? On m'appelle l'avenir. Qu'est-ce que ça? Ah ça y est Erwan, tu me fais flipper tout le temps. On m'appelle l'OVNI, je suis parti, je copie le béton. Je me dis son béton, je sais que ça retourne son bidon. Putain, je connais pas les paroles, ils sont inconnus au bidon. J'aime ton kit. Je les redonne au Schmitt. Faut voir que nous vivons. Les histoires et le shit. Que ça m'étonne. Oh, même plus m'étonne. Non, vous voulez faire un sketch avec des AK-47. L'OVNI. C'est ma team pour chaque main tape la forme. C'est la rime, je peux y arriver, ça serait bon. Je cours après le temps. Bon, on va voir Liam. Il est où Liam? Moi je t'entends. Ah oui, t'as vu comment on a improvisé? Non, en tout cas, le mapping il est magnifique. Ça s'ouvre pas ça? Non, moi je trouve que l'intérieur du Venise il est super quoi. Oh non, trop de voitures modées. Faut que je me casse d'ici là. Oh. Putain.
Wesh. Ma voiture. Allez là. Bon, Liam, il est où là, ce bâtard? Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Oui, Aaron. Oui, tu voulais me dire quoi? Non, c'est une connerie, laisse tomber, t'inquiète. Vas-y, dis. Non, non, mais c'est bon, ça a été réglé. C'était par rapport à ta Dodge. Mais c'est bon, c'est réglé. Le téléphone, je crois. Bref, c'est... non, mais il y a eu un problème, mais... Ouais. Il y a un problème, apparemment, il... Bref, c'est bon, c'est réglé, t'inquiète. Pas de problème. Allez, profite bien de ta soirée, et oublie pas ce que je t'ai dit. T'inquiète pas, Liam, on va se revoir. C'est quoi, ça, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, félicitations, c'était magnifique, ouais, ça va, et t'as aimé? Ouais. T'as kiffé? Ouais, heureusement que t'étais là pour remonter le level. Elle est arrivée... Comme ça, j'ai dit, vas-y, tu viens avec moi, tu vois. Et on a improvisé tout. Ouais, c'était bien, vraiment. C'était lourd. Ouais, merci. Par contre, j'ai un peu mal à la tête ici, faut que je bouge. Ouais, moi, là, je vais partir, là, je vais dormir. Pas de problème. Moi, je vais... J'ai un rendez-vous. Jerry, après, si tu veux, on se capte après pour la course. Si t'es encore là. Ouais, pas de soucis. De toute façon, si j'y vais, je te préviens. Vas-y, j'ai un rendez-vous, hein, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et GG, hein, bonne soirée. Merci. Allez. Les gars, je vais rouler à l'aveugle. Hein. Voilà, à l'aveugle. Bon. C'est là qu'on va foutre la merde, les gars. C'est pas vrai. Ils ont besoin de renfort là. On va aller voir. Attends, juste on va aller voir comment c'est. En vrai, il veut que je travaille à l'LSPD, hein. Y'a quoi? Il y avait un appel ici. Me faire prendre en chasse. Bon. On va aller la voir. Ça a parti en couille là, les gars. Pas la merde. On va voir ce qu'elle va me dire. Ils ont ouvert l'unicorne aussi. J'ai rien fait moi, pour une fois j'ai rien fait hein. Laisse-moi tranquille hein. Laisse-moi tranquille hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bêtises, laissez-moi. Je peux pas résister. Non, en plus il est connu cette voiture. Y'a un problème ici là, non?
Ils ont besoin d'aide. Il y a un braquage. Non. Non, il y a le président, je crois, qu'ils escortent. Il y avait une voiture ou le procureur, je sais pas. C'est pas Jason ça dedans ? Je crois que c'est Jason. Hein. Attends, je vais l'appeler. Voilà. Ouais, t'es où ? On est au concessionnaire, ils font une perquisition. Ils font quoi ? Une perquisition, car les patrons, ils ont, à ce qu'il paraît, ils ont caché la drogue. Oh. Moi, je suis juste à côté, là, je regarde. Ah, tu peux rentrer. Ah, ok. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, il y a un problème. Je voulais venir au concess, mais c'est fermé. Ah, malheureusement, c'est fermé, une perquisition est en cours. Ah, ok, pas de soucis, alors. Voilà. On va juste vous demander d'éviter de rester dans les lieux. Je repasserai plus tard alors. Pas de problème, merci, bonsoir. Bonsoir. Faut pas y aller les gars. Oh, ça c'est votre... Putain, y'a trop de véhicules modés, faut qu'on enlève un peu là. C'est mon entreprise ? Mais c'est à toi, wesh. Comment ça, le concess, c'est à moi, depuis quand ? Qui vous a dit ça ? Ils ont acheté le concess aussi ? Ils ont acheté le concess ? Jure ! Attends, mais... On va aller voir ça, wesh. On va essayer d'être discret. Mission infiltration. On va aller voir. On remarque nos parts par contre. Ah ouais, mais on va. Mais je peux rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Allez. Oh, mais putain, mais il fout quoi lui là? C'est qui? Monsieur Da Silva. Je vais aller voir. Pas un saut, tonton. Viens, pas un saut. J'ai trouvé un élément qui est compromettant. Patron. Je vais vous montrer un exemplaire. J'en ai trouvé 7. Genre, ils sont dans la merde, frère. Pharmaceutique, j'en avais déjà entendu parler. Attendez, je regarde. Ah, mince. Je peux pas. Vous êtes un peu. Mais vous avez les poches pleines, quoi. Ouais, sinon, dites-moi le nom directement. C'est pas qu'ils vont s'en sortir. Le fait qu'il parle mal, là, c'est bon. Le véhicule. Gros. Bah, t'as foncé littéralement sur le véhicule, donc bon. Ok, donc vous m'aimez pas. T'as foncé contre le véhicule, Milo. Stylé. Ah, j'ai pas su le côté. Ouais, c'est ça, il faut voir directement que l'hôpital. C'est ça qui est stylé en vrai, on voit mes pas. C'est là, de le film. Allez. Non. On va voir mon téléphone là, attends. On va y aller. Putain. On va aller en volant. Hein. Attends. C'est écoute vite s'ils ont pas de problème. Dans son manteau, tout est clair, les licences sont bloquées. Ah, il manque un petit truc, les ventes des véhicules. Ah, c'est bon, ils ont réussi à se sortir, c'est bon. Vous savez où ça peut être ? J'ai une idée. C'est un fichier informatique qui a un mot de passe, donc vous pourrez pas le consulter. Exactement. Bon, allez, on y va. On va récupérer ma voiture quand même, en vrai. Faut que j'enlève la voiture, au cas où. Parce qu'il est comme ça garé, là, si quelqu'un le vole encore. Ouais, je vais aller en voiture en vrai. On va rouler un peu.
On va accélérer un peu. T'inquiète, ça va vite cette voiture, les gars. Un instant, on y est. Après, on a la course avec Jerry pour faire. Let's go. C'est parti les gars. La GT elle est trop cheatée. Tenue de route incroyable. Zéro défaut, tenue de route. Par contre, juste quand tu dérapes, regarde, ça fait. On peut pas drifter en fait, regarde. Ça, vous le savez, de toute façon, ça part en tête à queue. Regardez. Hein. Vous appuyez le frein à main, ça fait comme ça. Nickel. Ça part vite hein. Putain, j'ai cru que j'allais passer. Putain, karma. Bon les gars, on va se faire défoncer. Mais on tombera pas tout seul, croyez-moi. Liam, Jason, ils vont tomber aussi hein. C'est sûr hein. Qu'est-ce qu'il fout ici? À la base militaire. Bonne chance. Ouais, salut, ça va? Salut. Pourquoi t'es ici? C'est ton nouveau endroit? Nouvel endroit? Non, vraiment pas, non. Ah, c'est comme ça? Ouais, je sais pas, je passais là, je me suis dit, vas-y, c'est bien pour déposer un petit mytho au pied de mon futur mari. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité pour hier? C'est-à-dire? Oh, Aaron, commence pas à jouer avec moi. Écoute, j'ai rien fait de grave. J'ai rien fait, moi. J'ai jamais dit que t'avais fait quelque chose de grave. C'est quoi la base d'un couple pour toi? La confiance, non? Putain, il m'énerve. C'est encore Liam, ça, hein, c'est ça? Il a foutu son grain de sel. Quel trou du cul, j'ai quand pas même. Eu besoin que de lui, hein. Vous êtes tous un peu cons et vous mentez très mal. Comment ça? Explique. C'est simple, vous êtes tous, je sais pas où, au même endroit. Moi, je suis seule de mon côté, personne prend de mes nouvelles et puis tout d'un coup, tout le monde en même temps. On me dit, est-ce que t'es sûr que tu veux te marier?
je trouve ça bizarre en, dans un premier temps. Bien sûr, mon père, il écoute, est un peu... Écoute, parle avec ton père, hein. C'est lui qui m'a proposé, hein. Lui, Liam, il parle, il me dit de venir. Après, il dit non, mais t'inquiète pas, il faut qu'on passe un peu de temps, t'inquiète. Faut qu'on apprenne à se connaître, tu vois. Moi, je suis parti pour apprendre à les connaître, tu vois. J'en ai rien à foutre de ta soirée d'enterrement de garçon. Mais après, je suis parti travailler aussi. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité ? J'avais rendez-vous avec le patron de la boîte de nuit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité, Aaron, une fois ? Je sais pas. Aaron, je veux pas te faire peur, tu vois. Me faire peur ? Parce que tu crois que j'ai pas assez confiance en toi pour te laisser aller faire tes trucs ? C'est vrai ? Mais bien sûr, tu m'aurais dit j'ai mon enterrement de vie de garçon, je t'aurais dit ben vas-y, amuse-toi bien, mais fais pas de bêtises en fait. J'ai confiance en toi, et je pensais que t'avais aussi autant confiance en moi pour me dire la vérité en fait. Mais écoute-moi, écoute-moi. C'est ton père et Liam qui m'ont proposé, moi je suis parti. J'en ai rien à foutre de qui te l'a proposé. Le fait, c'est que mon putain de futur mari m'a pas dit la vérité. Il a même pas eu. Et toi, t'étais où, toi ? Tu faisais quoi ? J'étais où ? J'étais chez moi, tu l'as bien vu, non ? Tu disais que t'allais être en train de travailler. Oui, j'ai travaillé. Après, je suis rentrée à la maison et j'ai fait quoi ? J'ai bossé sur le mariage. Je travaillais à l'unicorne, tu le sais très bien. C'était ouvert, l'unicorne ? Non, je règle les papiers, moi, derrière. Je m'occupe pas de l'ouverture, fermeture ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ok. Écoute... Là n'est pas le sujet, hein. Écoute. Je suis désolé. Je voulais un petit peu changer d'idée, comprends-moi. Mais je comprends tout à fait, mais en fait, t'avais tous les droits de me le dire. Je t'aurais rien dit, en fait. Je t'aurais absolument rien dit. Parce que j'ai confiance en toi. Mais je voulais pas te déranger, putain. Me déranger ? Et t'es quand même venu me voir avec et me déranger. Je voulais pas te déranger. Je suis trop occupée avec mes papiers, t'es mon futur mari, espèce d'enculé de ta race. D'où ? J'ai pas le temps pour toi, d'où ? C'est vrai ? Putain, mais t'es ma priorité ici ! Bordel ! Ouais. Pardon, j'avais ça. Mais après, parle avec Liam et Jason aussi, hein. C'est eux qui m'ont fait mal. J'ai déjà parlé avec Liam, ok ? J'ai déjà parlé avec lui. Non, Mon père, il est aussi con qu'une planche. Il va me dire quoi ? Oh, ma chérie, c'était. Bah, c'était pour l'enterrement de vie de garçon, hein. C'est ouais. Bon, on le connaît, mon père, hein, il est blasé de la vie. Qu'est-ce que tu veux ? Il va me dire quoi ? Bah, c'est rien, ma chérie. En plus, il s'est fait une meuf là-bas. Il a niqué une meuf. Ah, grand bien lui face. Liam à lui, aussi, hein. Oh, grand bien leur face. Et toi, t'as niqué ? Bah, ils m'ont obligé. Quoi ? Quoi ? Attends, quoi ? T'as niqué ? Bah, j'ai enterré la vie de mon garçon. Bah, logique, non ? Très bien. C'est pas ça, là ? J'espère. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais c'est Jason qui m'a dit. Non, bah, écoute, très bien. Bah, j'espère que ta vie de... Là, c'est bon, là, je suis bien, là. Là, on peut se marier maintenant, go. Là, on peut se marier. Là, on peut se marier. Tu te fous de ma gueule, Aaron. T'es clairement en train de me dire que tu m'as trompé et t'es en train de me dire. Là, tu me parles de te dire la vérité. Là, quand je te dis la vérité, t'es pas content. Tu préfères que je te mens ? Si t'avais envie de t'amuser, en fait, t'engages pas avec moi. C'est plus simple. Mais non, je rigole. Tu vois ? Tu dis que tu me fais confiance, mais là, tu crois vraiment que j'ai niqué. Si tu m'aurais fait confiance, tu m'aurais dit non, t'es mytho, tu rigoles. Si j'avais vraiment cru, est-ce que je serais pas partie là ? Tu me connais très bien, non ? Ouais, je suis la plus grosse des rageuses. Tu transpires quand même, hein ? Je serais partie. Non, je transpire pas. Si, tu transpires, essuie. Non. Voilà. Toi, essuie. Voilà. Trou du cul, t'es vraiment un connard, hein. Comment tu peux me cacher un truc comme Arrête, ça ? Arrête, tu t'es enfermé dans un bocal de lait. À un moment donné, il faut arrêter. Tu vas revenir à chaque fois avec cette excuse. J'en ai marre, putain. Mais t'en as marre de quoi ? Eh bête, t'es pas obligé de me le cacher en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. J'ai assez confiance en toi pour te laisser aller dans un milieu où je sais pas où il y a des meufs. Là, si je te dis ouais, je dois aller en boîte de nuit, tu vas me laisser encore ? Mais va en boîte de nuit si tu veux, j'ai confiance en toi en fait. C'est ça que tu comprends pas. Ah, ok, mais c'est bon alors. C'est à toi de pas me décevoir. Excuse-moi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu vois. Je sais plus, tu vois. Je voulais pas te décevoir. Moi, je voulais juste apprendre un peu plus à connaître mon beau-père et l'autre trou du cul de Liam, le... Mais j'en ai rien à foutre, c'est pas avec eux que je me marie demain en fait. Hein. T'as compris, demain, après-demain. Ouais. D'ailleurs, on se marie quand ?
Bah, ce week-end, non? Où ça? Laisse-moi préparer, d'accord? Ouais, fais comme tu veux, je te laisse gérer. Hein. J'ai trouvé une agence matrimoniale et je suis en train de gérer avec eux, t'inquiète. Ah, ok. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on va arriver au mariage. Ah, parce que... Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Non, mais je veux dire que... Attends, tu sais quoi, je vais t'offrir une pelle, hein. Et on va aller au cimetière, on va creuser ta tombe. Non, mais écoute, non, on sait pas ce que nous réserve demain, tu vois. Que si Dieu le veut, tu vois ce que je veux dire. Faut toujours ouais, dire okay, si Dieu le veut. Bien, ouais. Inch'Allah, ouais, tu vois. Ouais, je vois très bien. Voilà. Ouais, ben... En tout cas, tranquille, hein, c'est... Tu veux pas engueuler Liam pour moi, s'il te plaît? Mais je lui ai déjà passé un savon tout à l'heure, en fait. Non, mais là, on va là-bas, tu les engueules. Tu veux que je les engueule? S'il te plaît, tu fais comme si que... Alors, c'est vous qui l'a entraîné là-dedans, juste pour l'enfarager. Tu veux qu'on fasse un numéro? Oui. Ok, allez, on y va. Merci. Yes. Comme ça, il va avoir le seum, et après, il va dire... Et mon bisou? Tu viens voir ta chérie, tu lui fais pas de bisous? Non... Ah bah je sais pas, je... Elles sont où les petites lèvres à ronron? Oh! Vas-y, fais. Quoi fais? Allez, fais là. C'est toi qui as fait une bêtise là, fais. Putain. Ah. Quoi? T'aimes ça toi? Oh. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on prend ta voiture ou ma voiture? Je la garde ta voiture si tu veux. Ouais, vas-y. Bah, c'est bon en fait. Hein. Voilà, elle est carrée. Mais tu. Allez, on y va. T'es sérieux, ma bagnole, putain? C'est bon, t'es milliardaire, allez, go. Mais qu'est-ce donné, que j'en ai l'air, mais. C'était un cadeau de ton père, putain, tu casses les couilles, hein. Mais il est garé, c'est bon. Eh, hey, garé comment? Dans l'eau, connard! S'il te plaît, appelle déjà Liam. Ok. Et engueule-le, là, dès là. Alors, comme ça, tu m'as pris point con. Et il va essayer de dire, ouais, j'ai fait de la merde. Non, t'inquiète, ne l'écoute pas, tu vois. Ne le crois pas, là, il va essayer de trop. Alors là, franchement, je suis vraiment choquée de ta part, hein. Je te pensais pas comme ça. Non, non. Alors, non, c'est toi qui vas baisser d'un ton, je te le dis direct. Qu'est-ce que t'as été faire? Dis-lui que franchement, t'arrives. Tu sais quoi? T'es la pire des ordures. J'arrive tout de suite, envoie-moi ta position, je vais te démonter. J'arrive au concessionnaire. Putain, voilà. Voilà, ce trou du cul m'a rendu fouillé. Voilà. J'ai rien fait, j'étais sage. Je suis parti, j'ai emmené Milo, profiter. Moi, j'étais sage. Et quoi, il y avait des bonnes image. Meufs au moins? Ah oui, il y a des bonnes meufs. Ouais, allez, ta gueule, connard. T'as vu comment tu parles? C'est normal ça? Il m'appelle là. Vas-y, quoi? Allô? Ouais, je peux savoir ce que tu lui as dit? Comment ça, qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Elle était furieuse là contre moi, je peux savoir? Écoute, Liam, t'es un imposteur, t'es un abruti. Là, je suis avec elle, là, tu l'as déçu. Ce que t'as fait, vraiment, tu me dégoûtes, Liam. Là, on arrive, là, on va te régler ton compte. Envoie-nous ta preuve. Ouais, je suis au concessionnaire, je suis bien au concessionnaire. On arrive, là. Ouais, concessionnaire, t'as fait malin. Vas-y. T'as voulu blesser ma meuf? Toi, tu blesses ma meuf à rencontre de la merde? On t'attend, Liam. Baisse d'un ton avec moi et je t'attends, t'as 5 secondes. Tu vas voir. Il est pas bien, là, il est pas bien. Faut qu'on le rend fou. Ouais, ça va le faire. Non mais après il va essayer de trouver des prétextes, hein. Tu fais pas attention, t'inquiète. Tu m'as manqué. C'est vrai? Mmh. Cool. Oh, va te faire foutre en fait. Quoi? Oh, ta gueule. Mais je te dis cool. Oh, ta gueule. Tu voulais... Ta gueule. Ta okay. Gueule. Mets le point là, s'il te plaît. Merci. Tu veux pas me dire où est-ce que tu vas faire le mariage ou tu gardes la surprise? Frère, je sais même pas encore. Vas-y, laisse-moi t'aider, ouais. C'est pourquoi tu veux faire tout seul? Tu veux m'aider? Mais je t'ai dit que j'avais recruté quelqu'un. Non, un mariage, ça s'organise à deux, tu vois. Qui ça? Ben, d'accord. Une agence matrimoniale. L'homme, il s'appelle... Michel Deverino, je crois, un truc comme ça. Ah. T'as un trou du cul, ça, non?
Ouais, franchement, son nom, ça me dit tout de suite que c'est un trou du cul. Mais laisse tomber. Le type, il a un bâton dans le cul. Oh, laisse tomber. Oula. Excusez-moi. Mais faut pas vous mettre là aussi. Non, mais j'ai des problèmes de cerveau ici. Allez, prépare-toi. Tu lâches tout, tu donnes tout. Hein. N'importe quoi, putain de merde. Honte à vous. Alors c'est ça. C'est donc ça la famille. Qu'est-ce qui vous arrive? Honte à vous, bande de trous du cul. Qu'est-ce que t'as fait? Vous l'avez blessé. Toi, commence pas, t'as pas parlé de toute l'affaire. Parle pas ainsi à mon futur mari, je te dis direct. Moi, je suis là, je suis un ange, hein, Mina. Tu es un ange. C'est là, bande de traîtres, là. C'est quoi ça, mon père et mon oncle? Mon père et mon oncle? C'est eux. Tu me lâches, par lâche-la. Aaron, dégage. Non, je reste là. Je suis un ange. Je vous la merde, sors. Non, je reste là, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je reste là. Je reste là. Je reste là. Je reste là. C'est bon, à un moment donné, faut arrêter là. Portez-moi maintenant, bonne trou du cul. Portez-moi. Portez-moi, allez, portez-moi maintenant. Portez-moi. Non. Elle est où, Nina? Elle est où? Voiture. Bébé. Ma chérie, t'es où, ma chérie? Bébé, je suis là. Je parlerai pas tant que t'es pas là. Voilà. Allez. Portez-moi maintenant, bande de trous du cul. Portez-moi, allez, portez-moi. C'est le seul qui est honnête avec moi. Portez-moi. C'est le seul qui est honnête avec moi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait touché des filles, hein, peut-être? C'est bon maintenant, comme toi. Ah! Excusez-moi. Éteins-toi. Ouvre la porte, on va discuter. Jason, viens ici, venez tous là. J'ai les clés. À un moment donné, faut arrêter là. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir ce qui s'est passé. À un moment donné, faut arrêter. Maintenant, on va se dire les choses là parce que là, c'est tout le temps la même chose. Vous voulez me faire passer pour un méchant alors que je suis le plus gentil ici, mais je suis un ange. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas. Oh, écoutez-moi maintenant, on va mettre un temps de parole pour tout le monde, ok? Comme ça, c'est sûr, c'est ça. Et la personne qui parle, elle ne coupe pas l'autre sinon elle dégage d'ici, c'est bien clair? Tu vas dégager en premier, toi. Je suis aussi chaude que mon mec là. Ok, vas-y Nina, prends la parole. Ok, alors j'aimerais savoir pourquoi. Ma soi-disant, je mets bien là, vous voyez mes guillemets là, ma famille. On le voit très bien là. Ma soi-disant famille pas. Là. Je pourquoi pas. Vous m'avez fait un poil envers comme ça blessé. Alors, comme ça, vous traînez mon mec en boîte de nuit et vous le forcez à toucher les meufs? Comment vous ça? C'est quoi ce bordel en fait? Non, carrément. Et en plus, vous lui proposez de coucher avec des meufs? Mais non, c'est une mais blague. Là, par contre, ça va pas le faire. Ils ont niqué des meufs aussi, Nina. Ils ont niqué. Ils ont niqué des meufs. Ton père a couché avec une meuf. C'est pas possible. Il a couché avec une meuf. Arrête de mentir, toi! C'était mon temps de parole, donc... Le temps de parole, respectez-le, tout le monde. Merci. Vous êtes des alors adultes, maintenant, tu sais j'aimerais savoir pourquoi, tonton, tu as dit à mon cher futur mari que tu souhaitais ruiner notre mariage et que t'allais tout faire pour. En lui amenant sous le nez des meufs, et en plus de ça, papa, toi, tu as voulu faire un plan à plusieurs avec mon futur mari dedans? Comment non, ça se fait? Il m'a dit viens, on fait une partie. J'ai dit non, t'es folle. Et bah Aaron, moi qui t'ai défendu, et bah putain, moi qui a voulu te tuer. Toi, tu m'as défendu? Qui a fait des fleurs. Tu l'as raconté de la merde. Je lui ai dit quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Je lui ai juste dit là où on était hier, je lui ai pas dit. Je t'ai même fait une fleur, je t'ai dit quoi? Je t'ai envoyé des messages. Quelle montre fleur? Montre tes messages un peu à Nina, ce que je t'ai la dit. La preuve que t'as un trou du cul. Voilà, t'as vu? La preuve, il te dit même pas la vérité. T'as vu? Il te cache des choses. Tu t'as dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit l'endroit où on était. T'as dit l'endroit, pourquoi? Parce que je t'ai dû sortir. Et je t'ai sorti les verginés ou pas? Tu m'as sorti rien du tout. T'es sorti les verginés ou pas? Sinon, je t'aurais dit que ton joli mec. Bref. Écoute, allez. C'est moi le fautif, c'est ça? Allez, dis-nous, tu vas me dire quoi? Attends, juste, on va prendre point par point, ok? C'est nous qui t'avons traîné à la boîte de nuit, c'est ça? Ouais, clairement. Toi, t'étais pas là. Mon mec, il aime pas tout ça. J'aime pas des noms comme ça. J'aime pas ça. Jason Brooks, c'est des comme il est. Non, il avait les couilles pleines, il a dit venez, on se découille, on faut que t'arrêtes. Attends. Écoute, c'est nous qui t'a ramené des femmes. Non, mais attends, Jason, ça va être simple. T'as vu bien. C'est nous qui nous a ramené des femmes, il a dit. Écoute, tais-toi. Écoute, ça va être très simple. T'as pas confiance en nous? Tu vas avoir confiance en Abby, en Milo et à tous ceux qui étaient présents à la soirée. Attends, comment tu veux que j'ai confiance en vous alors que hier soir vous m'avez tous les deux contacté bizarrement et tout? Après, quand je vous demande ce qui se passe, y'a plus rien. Contacté parce qu'on voulait tout avouer. Et j'étais le seul à venir te voir, oui ou non? Et le seul qui est venu me voir? C'est mon futur mari. Voilà. Et eux, ils étaient où? Ils étaient en train de niquer. C'est une blague, là. Ah, c'est vrai. On est d'accord, Milo? Écoute. Non, mais j'ai plus le temps pour ces conneries, moi. Milo, sors d'ici. Dépêche-toi, sors d'ici. Laisse-moi. Abby, regarde. Parce qu'après, on va dire que c'est moi qui mens et qui retourne. T'étais là, Abby, hier. On est d'accord? Bien sûr. Milo aussi, t'étais là hier. Bon, lui, il était bourré. Donc, il dira rien. Dis-lui ce qui s'est passé, s'il te plaît. J'aimerais parler à Aaron d'abord.
Non, non, vas-y, parle, t'inquiète, t'inquiète. Là, on se cache rien, là. T'inquiète, il reste sur ce bruit. Moi, je vous ai dit la vérité. Alors, attendez, j'ai une question à poser à Nina. Nina, tu me fais confiance ou pas? Je vais crever de soif. Je vais crever. Allez, ça c'est fait. Allez, on continue. C'est bon, elle est morte. C'est bon, elle a rien à dire, t'inquiète pas, Nina. Je peux savoir, donc tu lui as dit quoi? Tu lui as dit qu'on t'avait traîné à la boîte de nuit, qu'on t'a obligé à te taper des meufs. C'est moi, j'ai plus rien à dire, elle sait la vérité maintenant. Voilà, vous l'avez menti, vous me foutez, vous mettez tout sur ma tête alors que j'ai rien fait. Moi, je suis un futur marié. Moi, elle est dans des boîtes de nuit. Vous m'avez dit, Jason, ce qu'il m'a dit. Nina, il m'a dit, soit tu viens, soit je te donne pas la main de ta fille. J'ai dit non. Que je te donne ma version, que je te la donne pas. Tu vas toujours prendre ton mec, on est d'accord? Oui, tu m'as dit mais ça. Mais en fait, j'ai même pas envie d'écouter vos versions parce que vous êtes en train de me retourner le cerveau pour pas que je me marie. Et qui te dit que c'est pas lui qui t'a retourné? Mais pourquoi? Attends, mais t'es complètement malade. Pourquoi j'aurais voulu t'aider pour ton mariage? Moi, je suis complètement malade. Respecte ma femme, hein. Oh, vous allez vous calmer, vous deux. Bébé, t'inquiète pas, ne les écoute pas. Deux enfants, là. C'est nous l'enfant, c'est vous qui faites l'enfant. Ouais, c'est vous les deux enfants pour gâter, là. À un moment donné, faut arrêter. Ça se voit, vous devenez trop sénile, vous êtes trop vieux maintenant. Hein. Écoutez, ah, là, ça va plus, hein. Vous voulez vous marier, vous deux, c'est ça? Bah, soit, allez vous marier. Moi, j'ai plus rien à faire ici. Voilà, voilà. Assume. Honte à vous seulement, honte à vous. La Ferrari, d'ailleurs. Voilà. Hein. C'est fermé. Demi-tout, c'est fermé, vous dépêchez. Oh, ça va, les sondes. Ça va, monsieur, là. Et toi, t'as quelque chose à dire, peut-être? Bien sûr. Oui, dis-nous. Oui, bien sûr. Aaron, t'as fait quoi hier soir? Bah dis-moi. Bah je te pose Axton. Putain, mais elle a soif ou quoi? Vraiment des chutes de tension. Ça, c'est incroyable, ça. Elle a des pro... Bref, c'est bon, laisse-les. C'est bon, oublie. Que des gamins. Bois de l'eau, maman. Ouais, t'as un torticolis. Hein? Et là, ils vont tous. Voilà, c'est incroyable, ça. Ils sont où là, hein? Putain, non, je dois le parler à lui. Vas-y, viens me parler, qu'est-ce que tu veux, viens. Ouais, viens. Putain, c'est pas possible ça. J'aimerais bien te poser une question. Viens, on va parler tous de la plus loin. Qu'est-ce que tu as fait hier soir, Aaron? Fais quoi? Vas-y, reste là, tu vas où? Où? Quoi? Hier soir, qu'est-ce que tu as fait? Deux. On a fait quoi hier soir? Explique-moi. On a fait ton enterrement de vie de garçon. Ils m'ont obligé? Non. Nina était au courant quand on a fait ton enterrement de vie de garçon? Parce que ils m'ont dit de rien dire. T'inquiète pas, Nina, elle sait la vérité maintenant. Elle sait la vérité. De toute façon, Nina, je voulais prévoir un enterrement de vie de jeune fille. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Lâche-moi. Je te parle tranquillement. Lâche-moi tout de suite. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi la vérité. Lâche-moi, Aaron. Donc là, t'as intérêt de négocier, de jouer le jeu. Parce que sinon, moi, je te mets une balle dans la tête. Moi, je suis pas ta famille, je te connais pas. Moi, je suis pas Ken Flash, moi. Je te dis direct, hein. Écoute-moi bien, Aaron. J'allais te poser une question, t'allais me répondre. Fais attention à toi. Ok. Fais bien attention à ce que tu comptes faire, Aaron. Toi, fais attention à toi. C'est peut-être là ton humeur, qui sait. Non, je pense pas. Maintenant, tu vas le dire parce à Nina que, très clairement, que c'est je leur suis faute. Ok. Pardon. Tu vas leur dire, sinon ça va mal se finir. Non. Je te promets que ça va mal se finir. Allez. C'est simple. Allez. Par contre, relâche-moi. Tu connais les pieux mensonges, Aaron? Ouais, moi je suis là. T'inquiète, moi je dis rien, allez, faites ce que vous voulez, espèce de grosse trou du cul. Parle-moi tu dis bien. Ouais, t'es là avec nous, tu dis rien, nanana, mon bien cul, sûr. Voilà. T'es une poucave aussi, vas-y, c'est bon, t'es une poucave, c'est pas. Bon, t'es comme alors, nous, écoute-moi bien. Alors, viens ici. Couvre-moi, alors, prouve-moi. Ben justement, donc j'aimerais bien que tu répondes à mes questions en fait. Devant quoi? Nina. C'est simple. Non? Hier, on a fait ton enterrement de garçon. Ouais, c'est ok, bon, très c'est bien. Bon. Non, tu t'es bon, amusé. Pas, ok, très bien. Tu me dis, ouais, t'inquiète, viens, je te protège. Mais bien sûr, viens, moi. Viens, t'es comme les autres, vieux trou du cul. Tu crois que moi je suis les tontons? Moi, tu crois que moi j'ai des cernes en dessous des yeux ou pas? Non, carrément pas. Après, ouais. Donc, moi je pars du principe qu'on a fait une soirée entre nous. Bref. Que tu t'es bien amusé et basta. Moi, m'amuser, est-ce que tu m'as vu niquer une meuf? Non. Alors? Mais tu t'es bien amusé, t'as passé une bonne soirée. Dis-moi la vérité. T'as passé une bonne soirée hier soir? C'était de la merde. Moi je m'amuse pas tant qu'à Panina. Allez, viens. Ok. Eh ben c'est simple. Viens. Ouais. Ils ont pris ma voiture. Il y a beaucoup de monde qui applaudit, qui gueule. Ouais. Ils ont pris ma voiture. Ah ouais. Allô? Ouais, quoi? Ouais, bon, qu'est-ce que tu me fais encore comme cinéma, là, en fait? Non, tu me fais aucun cinéma?
Il a pris une voiture, ce trou du cul. Il va voir. C'est n'importe quoi, Jerry. Ouais. Attends. Ouais. Pourquoi t'as été raconté ça? Mais écoutez, à un moment donné, il faut que je me sors dans la merde aussi. Mais c'est trop facile de faire ça. Vous, vous êtes marié, vous avez déjà fait votre vie, laissez-moi, ouais, je vais marier, je me sors de la merde, c'est bon, prenez. Mais du coup, elle croit qu'on lui ment. C'est pas grave. Ouais, tu t'en fous, ça. Bah oui, du moment que moi, je sors de la merde. Vous, eh, je vous dois un grand sur... Eh, je vous dois beaucoup, hein, les gars. Franchement... Attends, venez, on se voit, on parle homme à homme, là. Non, mais vous êtes... t'es vraiment un enfoiré, là, Ron. Tu vas pas me faire ça. Moi... Toi, mais t'as vu ce que tu viens de faire? Mais ça va, c'est rien. Qui m'a contacté pour la vente de véhicules? Allez. Allô. Personne. Allô. Allô. Bah, putain, je regarde le chat, putain. Ouais, c'est la map, putain, y'a trop de voitures modées. Elle veut plus me parler. Elle est passée où, Nina? Attends, je reviens. Raccroche. Ouais. Mais haut-parleur. Mais haut-parleur. Mais haut-parleur. Oh oh. Je sais pas comment on fait, du coup j'ai raccroché. Ah bien joué. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il va me montrer des messages. Ouais, c'est bon, allez, on va leur dire la vérité. Ah, allez, viens, viens, on va leur dire. Je lui ai dit de venir ici. Putain. Bien joué en tout cas, on les a rendus fous. Bah, c'était le but. Ouais. Mmh. Mais c'était quand même eux qui m'ont entraîné, hein. Oh, s'il te plaît, ta gueule, hein. C'est la vérité. Eh, entraîné ou pas, t'es jamais forcé de rentrer quelque oui, part. Oui, mais si ils étaient avec moi aussi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, on est d'accord. T'es jamais forcé. Oui, mais je suis pas seul. Ouais. Oui, s'il te plaît. Mais tu verras, viens. Viens, tonton. T'as trop mal à la tête ici, hein. Oui. C'est la merde. C'est la voiture? Ah, elle est là. Il se passe quoi, Ron? Parce que tu me dis c'est la merde, ouais. J'ai rien compris, moi. Si... Quand Jason il est là, tu dis ouais, c'est eux qui nous ont entraînés, d'accord? Jerry, dis-moi la vérité. Quoi? Hier soir, on a fait une petite soirée, vous vous êtes tous très bien amusés. C'est Jason qui nous a obligés. Ok, Aaron, on a fait une soirée hier, on a fait ton enterrement du coup. Ouais, je me suis pas amusé. Avec nous, tais-toi. Et tu t'es bien amusé. Toi, en tout cas, t'es bien amusé, hein. Bah, moi je sais que je me suis bien amusé, moi j'ai bien bu. Ce que j'essaye de faire là, c'est d'apaiser un peu les tensions, tu vois. T'apaises rien du tout, tu fous la merde, wesh. Pardon, c'est moi qui fous la merde? Alors que c'est toi qui es littéralement en train de mentir. Tata, arrête, tata. Incroyable ça. Tu me dis, ouais, viens, je te couvre. Qu'est-ce que je suis en train de faire, Aaron Flash? Vous m'avez influencé. Quand elle dit ça, c'est qu'elle est énervée là. Quand elle dit le nom et le prénom de la personne, c'est moi, qu'elle est énervée. Moi je t'ai influencé alors que toi hier soir tu me prenais pour une prostituée. Ouais, là elle est énervée. T'es énervée là? T'es énervée? J'ai pas envie. Mais excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Faut que j'apprends encore à te connaître, c'est pas de ma faute. Ok, ben j'espère que tu vas bien me connaître. Parce que très clairement, ce que je suis en train de faire là, c'est de te défendre, ok? Donc, alors viens avec moi, alors viens, défends-moi. Tu suis le truc, hier on a fait une soirée, toi c'est pareil, et toi c'est pareil. Mais moi je me suis pas amusé, ouais, je m'as vu m'amuser, j'ai amené tout le monde. Écoute-moi bien, tu m'as vu avec une meuf ou quoi? Est-ce que tu m'as vu avec une meuf? Combien de meufs étaient hier soir? 3, 4, je sais plus. Oui, mais il y avait, voilà, 3, 4, donc il n'y a pas une meuf, donc faut arrêter à un moment donné. Donc, c'était pour Milo. On a fait une soirée. Et j'ai même pas touché les meufs. Tu sais très bien. Ok, t'as touché avec les œufs. Très bien. J'étais bien amusé. J'ai même pas regardé. J'étais juste regardé toi, c'est tout. Non, évite de me regarder par contre. Il ment pas, c'est le ramadan en plus. Bah oui. Voilà. Elle est où cette connasse? Ah, ou je voulais dire cette princesse. Par contre, tu parles. Voilà, je préfère. Ma petite princesse, elle est où?
C'est très hypocrite ce que t'es en train de dire là. J'appelle Yorm. Ah, attention à vous. Ah, ils sont là. Au secours, voleur! Ils ont volé ma voiture! Ils ont volé ma voiture, monsieur! Rendez-moi ma voiture! C'est écrit mon nom dessus! Sortez de mon véhicule! Putain, sortez! Sortez! Sortez de mon véhicule! C'est pas un vol de véhicule, c'est mon neveu! Non, ils ont pas demandé mon autorisation! Sortez de mon véhicule! C'est vrai qu'ils ont pas demandé l'autorisation! Sortez! Monsieur, sortez quand même du véhicule, s'il vous plaît! Sortez! Ah, c'est Mark Callister! Rends mon véhicule! Allez, regarde, Liam da Silva, sort du véhicule! On est bloqué. Liam da Silva, sort du véhicule! Ils vont me détester! Putain, ma voiture! L'héritage de mon père! Putain, l'héritage! C'est mon héritage! Monsieur? Bon, monsieur da Silva? Pourquoi vous voulez les véhicules comme ça? Monsieur, je pourrais juste avoir votre nom pour la plaque, pour voir s'il est bien vous. Bah ça se voit non. Moi c'est écrit mon nom bien, dessus, si regardez. Si j'avais volé je pense que je serais parti très loin. Flash. Attends quoi? Non c'est bon, je le pardonne, il a pas fait exprès, il est un peu énervé. Vous voulez pas porter plainte monsieur? Non c'est bon. Il est un peu énervé en ce moment. Il assume pas, voilà, c'est pas de sa faute. Bon je peux repartir du coup? Non. Non par contre... On doit discuter, Liam. Écoute-moi, Liam attends. Tout va bien monsieur. Liam, laisse-moi discuter avec toi. Il faut qu'on ait une conversation d'homme. Oui, bien sûr, madame la qualité. On va voir le nom, prénom du monsieur là. Non, qui appartient à la voiture rouge là. Aaron Flash. Oui. Enfin, de la famille Flash. Enchanté, monsieur. C'est monsieur? D'accord, ça roule. McAllister. Monsieur McAllister. 88. Oh, d'accord. Aïe. Enchanté. Pareil, on est à 50 km/h lui. Ouais, tous. Par contre, vous êtes au courant que c'est pas homologué? La plaque, elle est où? Eh, excusez-moi, monsieur, y a une plaque, hein, regardez bien. Oui, si, je vois une plaque. Mais la plaque elle est pas bonne. C'est écrit LB Performance dessus. Ouais, pareil. C'est pas une... Ça c'est une plaque concessionnaire ça. Non. Non, monsieur, regarde, c'est homologué l'avant. Vous commencez à me casser les pieds, monsieur Khan, vous pouvez. Eh, par contre, vous allez vous détendre un petit peu, monsieur, hein. Ouais, vous êtes un peu tendu. Monsieur, mon collègue est juste un peu tendu, excusez-le. Ouais, mais il se détend parce que c'est sa tête qui est pas homologuée, hein. Moi je vous dis direct. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous juste. Sa tête elle est pas homologuée là. Non. Ça c'était pas. Moi c'est ma voiture, elle est pas homologuée, sa tête elle est homologuée elle. Bon, toi tu t'as amende pour outrage ou quoi? Laissez-le tranquille. Non, à un moment donné il faut arrêter hein. Laissez-le tranquille. Tu veux un outrage, c'est ça? Tu veux commencer comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Y'a pas d'outrage aux États-Unis. Non, y'a pas d'outrage, par contre y'a des coups de matraque. Ouais, mais dans le code civil, même le nouveau là, y'a plus d'outrage. Bon, toi tu me gaves, toi. Par contre, tu oses pas la voix avec mon pote hein. Toi tu me gaves, toi, d'accord? Toi t'es toujours là pour dire quelque chose, d'accord? T'es pas monsieur le... Monsieur McAllister, mais moi je connais les lois, monsieur McAllister. On a le droit, on est libre, on a le droit. Oui, allez-y, monsieur. Liberté d'expression, incroyable, monsieur, liberté d'expression. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur McAllister? Ils sont où ces bâtards? Liam. Elle est où, Liam? Les yeux. Non, je reste tranquille, vous inquiétez pas. Il bosse ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord, ils sont là-bas. Oui. Tout va bien? Ouais, ton pantalon. Ouais. Comment ça, mon pantalon? Quoi? Vous voulez quoi? Ah bah. Non, vous. Prends des yeux, alors. Vous voulez quoi, vous, quoi? Bah, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je sais pas, qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi vous quittez comme ça? On est là, on discute, vous partez? On discute, ouais. Quand des mensonges, on discute pas, nous. À un moment donné, faut arrêter, Jason. Non, toi, faut arrêter, Rome. Hein? Faut pas mentir comme ça. Tu crois que c'est comme ça, en m'entend qu'elle va aller vers toi? Sors-moi la vie, s'il te plaît. Mais faut pas mentir aussi, trouver une autre excuse. Comment ça? Je sais pas, fallait dire que c'était quelqu'un d'autre, pas nous. Mais vous étiez avec moi. Mais vous m'avez foutu dans la merde, vous venez, on a rien dit. Vous appelez Nina, vous appelez tout le monde, et après voilà, c'est votre faute ça, maintenant assumez. Si vous on t'a protégé aussi, on a rien dit. L'autre il appelle Nina, nanana, tu dois pas marier avec lui, nanana. Voilà, c'est vous qui allumez le feu, si on aurait rien dit, on aurait fait notre soirée tranquille, on aurait venu. Tout aurait bien passé.
On a fait notre soirée, est-ce que c'est peut-être quelque chose, t'as rien dit? En plus j'ai rien fait. Ouais, ça reste encore désiré. Ouais. Déjà y a trop de voitures, hein. Moi ça me donne mal à la tête. Non, hein. Ouais, j'ai pareil. Ouais, je vais faire une course moi, hein. Fais plus qu'à zot, hein. Par contre t'as un problème avec ton pantalon, hein. Ah bon, bizarre. Y'a quoi? Je vois à travers. Ça a dû brûler alors. Je vais faire une course moi avec Jerry, m'attends. Okay, ok, bon, on rejoint après. Allez. Wouah, mais les gars, c'est grave. Non, faut arrêter avec les voitures modées, y'en a trop là. Ça, déjà, on va l'enlever. Donc on peut pas. On peut même pas l'enlever, les frères. Y'a trop de véhicules modés. Il est où Jerry là? On va faire une course. Elle est où Nina? Hey, je sais pas, ils sont en train de discuter. Tu fais une course ou pas, Milo? Oui, je vais faire une course. Jerry! Oui! Fais une course ou pas? Il y a les flics partout, hein. Il est partout. Là maintenant, course. Tout de suite là? Ouais. Vas-y, go. Quelle voiture contre quelle voiture? Je prends l'autre voiture moi, je passe celle-là. Je prends la Evo. Ah ouais, mais moi ma 350 elle est plus dans mon garage là. C'était quoi encore le nom? Je crois que je l'ai, attends. Vas-y, vas-y. Bah c'était une. Toi, tu fais une course toi? Bah bien sûr. Ok, nickel. Je vais me changer. Je vais pas prendre la GTR parce que je vais prendre la même catégorie que vous. Ouais, c'est celle-là ouais. C'est ça? Nickel. Ouais. Allez, prenez vos voitures là. Ouais, mais le problème, je vais gagner facilement si je prends la GTA. J'ai envie de tester avec Locke. Attends, je vais ranger ma voiture. Oh putain. Le temps qu'il règle les problèmes, je vais faire une petite course. Les gars, j'ai hâte de mon nouveau perso. Dites-vous que le nouveau perso. Allô? J'espère que t'es fier de toi. Pourquoi? Je pense que t'as perdu la seule femme qui t'aimait. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a foutu encore? Non, ils vont essayer de retourner contre moi et ils vont se faire enculer, c'est beau. Je sais, ils vont essayer de faire retourner le troll contre moi. T'inquiète, me prends pas pour un con. Je vais l'appeler quand même, hein. Je vais l'appeler quand même. Star. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Allô? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Tu m'entends? Allô? Vas-y, vite, il m'attend, là. Il est où, frère? Il troll! Pas enculé! Ah, ça va ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Monsieur, on vous invite à la prouesse. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Avec votre prank là. Prank de quoi? Ah, dommage. Elle vous. Ouais, t'es où? Je suis dans un truc bizarre, pourquoi? Tu fais quoi? J'ai tout fait pour toi, non? Bah, je cherche une voiture! On va faire une course, nous. Bah, grand Liam, c'est toi qui t'occupe, une course, bah putain. Tu vois pas que je suis en téléphone, Liam, avec elle! Ah, putain, là, putain. Qu'est-ce que t'as fait à Liam? Tu l'as dit ou pas? Non. Bah, dis-lui, là, s'il flippe, là. Non, dis-lui, toi, c'est bon. Mais t'es où? Mais je sais pas, je me suis perdu dans un chantier. Viens, on concesse. Ah, je suis à pied, t'es sérieux? Non, c'est bon. Envoie la pause. Non, je les ai pas mis dans le garage. Jason, c'était un prank. Liam, Jason, c'était un prank. C'était un prank. C'était un coup monté avec Nina.
Bon. C'était un coup monté tout ça. Trou du cul hein. Ils sont belles, tu vas t'épuiser pour rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain, je le caméra était là. Le caméra il est là, 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 à droite. Voilà. À... Hey, vous avez pas vu ça, vous êtes sérieux? Putain, vous êtes con, putain. C'était un coup monté. Tout ça, c'était un sketch. Aidez-le à se relever, s'il vous plaît. Ouais, sketch, c'est ça. Venez, on va faire une course, nous tous, pour fêter ça. Ah, allez, on se dépêche. Ah, attends, bah, on est tous des véhicules Le départ où? Départ où? Parce que je vais récupérer Nina. Je sais pas si. Attends, pas les véhicules, sors-moi un véhicule bien, s'il te plaît. J'ai pas les véhicules farfoyeux, je sais pas. Les... Par contre, on a. Mais non, Purple, espèce de fou, mais t'es un malade! Mais wesh! T'es un malade! Purple! J'arrive, je vais chercher Nina! Ouais. Restez ici! Ah, frère, viens Discord, faut qu'on. Allez, toi! Purple! Mais t'es qui, frère? T'es un ouf! Ah, je sais pas quoi te dire là, mais merci. Oh là 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 là. Ça fait beaucoup là. Elle est où? Espèce de grosse folle, t'es où? Bande de petites merdes. Waouh! Il a ouvert le sub mode à 100 personnes direct. Putain, mais viens devant la route, qu'est-ce que. Mais pourquoi il vient pas dans le bord de la route? Il a cru que les voitures ils vont là-bas ou quoi? Regarde, regarde-moi là, putain, faut aller la chercher, mais putain, mais casse les. Ouais. Allez ta gueule. Quoi? Non je rigole, j'ai pas dit ça. Mais non tonton, t'inquiète, j'ai pas dit ça. Allez monte. On va faire une course. Non, tout à l'heure. Ouais, enfin, c'était un peu chaud hein. Purple, je sais pas quoi te dire, ouais. Frère. Essayez de me non. le retrouver sur Discord, les gars, les modos, comme ça, je dois le parler. Mais cassez pas là. Les couilles, putain, oui. C'est bon, ils sont là. Ouais. Oh, t'hésites pas. Oui. C'est bon. Ouais, moi, ça fonctionne pas. Allez, prends soin. Eh, hey, bon, programme maximum. Maximum. Combien? T'es là, que. Comment ça, vous avez pas ça? Bah, Jerry et moi, on a pas. Mais on va mettre pour vous. Bon, on va moi, mettre pour vous. Faire la course parce que je vais encore vous bouffer. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Sinon, il y a les boîtiers ouais. encore. On va. Attends, je vais récupérer les boîtiers. Ah. Dévier, t'es là? Yeah. Ouais, on va récupérer vite les boîtiers dans notre ancien garage. Suivez-moi. Vas-y. Ah ok, mais tu me racontes trop ta vie là. C'est qui? T'es le téléphone avec qui là? Je suis le téléphone avec eux, celui qui va reprendre l'unicorne quand je pars. C'est qui? Il s'appelle Sacha. Donne-moi son numéro là. 280 6280 555. Ok, attends. Hein? Donne-moi, donnez-moi le numéro là, les gars. Désolé, Sacha. Là, c'est trop là, wesh. Là, raconte sa vie, wesh. T'es un ouf, lui. Ouais, du coup, tu me disais. Y'a 555 pas ou pas? Non putain je suis con, je crois que je suis sur place. Bah écoute, je passerai te voir après, d'accord? Ouais ça marche. On se capte après, vas-y. Tu vas rien capter tout, du tout toi, t'es folle ou quoi? Mais... Ta gueule. T'es con ou quoi? C'est juste... Mais... Ta gueule, je vais l'appeler moi. T'es jaloux en fait. Et bonjour. Ouais ça chien, ça va ou quoi? Ça va bien vous? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un problème quoi? Rien du tout comme problème pour toi.
C'est quoi ce délire? Ça passe des heures dans des téléphones avec une meuf qui nous appartient pas là. Le business, c'est le business. Vous achetez, vous n'avez pas besoin de parler. Soit t'achètes, tu fermes ta gueule, ou soit t'achètes pas, et tu te casses. Alors déjà, j'ai pas parlé des heures. Non, parce que là, à un moment donné, tu commences à me casser les couilles là, putain. Je suis à côté d'elle, elle me dit que t'es en train de la draguer. Mais je la drague pas, absolument pas. De toute façon, j'arrive là. Voilà, c'est bon, je vais régler son compte, moi. Tu me dis si elle te fait, si te fait chier, hein. Mais bébé, il m'a absolument rien fait. Ah, vas-y, rentre. Tu m'as dit qu'il te draguait. Mais j'ai jamais dit qu'il me draguait. Mais pourquoi moi, j'ai entendu, ok. Non, c'est toi qui as pété les plombs, là. Attends, je vais le rappeler, alors. Excusez-moi monsieur, je me suis trompé de numéro. Ok. Y'a pas de problème de... Y'a pas de problème, hein. Non. Ça va sinon? Ça va, hein, putain. Ok, au revoir. La GTA, ça marche pas. DVA, t'es là, y'a encore le programme. J'ai ça, si tu veux. Toi, fais gaffe à toi, je te dis direct, hein. Hey, qu'est-ce que t'as? Mais t'as serré, toi, dans ta tête. Oh. C'est moi qui va faire les affaires avec lui. Oh, je sors pas en boîte, hein, moi, contrairement à toi. Je te dis que c'était ton père qui m'a ramené, faut arrêter. Arrête hein, maintenant. Le boîtier pour mettre le programme, tu l'as encore ou pas, DVA? Et ça, c'est... T'es habillé là? Bah oui. Ok. Je vais travailler comme ça, c'est chill, tu vois. Y'a pas de soucis. Quel celui-là? Wesh. Va le tester pour voir. celui-là, il est lent au décollage, ma peau est rapide. Tu fais quoi là? Wow! Non mais rhabille-toi par contre, t'exagères là. Mais attends, j'essaie de remettre mon short. Quel short? À un moment donné, il veut se déshabiller, moi aussi je me... Tu veux te déshabiller, t'inquiète pas, moi aussi je veux me déshabiller. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas. C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? Non, je vais mettre mon jean, t'inquiète, mais je... Oh, vous allez pas faire ça ici, hein! Habille-toi! Toi, t'habilles-toi? T'es habillé, toi? Tu veux que je m'habille? Attends, t'inquiète. T'inquiète, je mets juste mon jean, mais... Je fais comme toi, arrête. Voilà, toi. Non, mais c'est... C'est bon. Je fais un vlog! Y'a pas de problème, Nina. On va faire un vlog? Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais que tu crées. Bon. Attendez, on attend un petit instant, on va avoir le boîtier qui va arriver. Ça va, Liam? Ok. T'as bien aimé notre ouais, prank? Et elle est là, Abby. Ouais, tu t'es bien amusé, nanana. T'as rien compris, c'était un prank. Abby, faut que je te parle, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Elle va m'enculer. Et t'es content, là, de ta petite blague, là? Ça va, ça t'a bien rire. C'était un prank. Comme si je vais te trahir, franchement. J'ai assumé, j'ai écouté tes conseils, tonton. Moi, je suis quelqu'un qui écoute. Je suis content. Mais après, il fallait un petit truc, tu vois, pour rigoler. Ouais, bah, vous avez bien rigolé, alors. Pourquoi il fait des vlogs, lui? Je sais pas. Pour les souvenirs de nos enfants. C'est notre passion. Aujourd'hui, c'est sa passion, les vlogs, aujourd'hui. T'as purple, t'es un ouf, vraiment t'es un ouf, frérot. Ça, t'as pas trop mal au bras à force de tenir la caméra? Non. Là, je sais pas, parce que d'habitude, les gens, ils ont mal au bras. C'était quoi le nom pour les boîtiers? Bah, c'était boîtier de programmation. Non, mais c'est ça, même le nom exact. Attends. Ah, bah, c'était ça, boîtier de programmation. Il faut la caméra, c'est bon, top. Boîtier, non? Les gars, prochain chibre à tuer, Sacha, s'il vous plaît. C'est qui, lui? Oh non, Monsieur Marteau? Ouais, il parle beaucoup avec pourquoi Nina, donc... Mais c'est un employé. Sérieux, c'est pas... Aaron, viens, j'ai un truc à te proposer, viens. Vas-y, je reviens. Attends, il est en train de préparer le boîtier, il vient de me dire. Ah, mais je crois que j'aurais pas le temps de faire la course. Hein. J'aurais pas le temps. C'est chaud, tu es Sacha. Hein. Merci pour le sub, frérot. L'enterrement de vie de jeune fille, Nina, ça dit de faire le stripteaser ou pas? Ah oui, mais attends, par contre, s'il y a un stripteaser qui vient, moi je te jure. Non, c'est toi. Ça te dit? C'est quand? Je sais pas, je vais essayer d'organiser ça demain. Tu vois la messe banque là au-dessus? Ouais. Je vais essayer de faire un truc là-bas. Vu surtout de la ville. Écoute-moi bien, toi. Si je la vois dans une boîte de nuit, toi là, je te jure, je te retrouve. Écoute-moi bien. Fais-moi confiance. Je te prends comme ça et je te tue. Comme ça, ok? Est-ce que c'est clair? Là, j'ai tiré à côté, t'inquiète. Enfin, je crois. Merde.
Merde. Personne n'a rien vu, c'est bon, hop. Voilà, c'est bon. Allez, rien. Attends. Un trou du cul, je vais découper le corps, comme ça on est venu. Aaron, je suis vivante, Aaron. Ah putain, mais tu fais quoi? Voilà, c'est bon. Je mets dans un sac. C'est bon, allez. Oh. Je suis vraiment un bâtard, les gars, avec elle. Je suis vraiment un gros bâtard. Ça va, les gars? Ouais, ça va. Ouais. Arrive à nous abonner. Hein? J'aurais pas le temps de faire la course. Putain. On va y arriver un jour, t'inquiète. Mais vas-y, toi tu dois dormir bonheur, donc t'inquiète. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on va le faire entre nous, t'inquiète. Ah merde. T'inquiète. Attends, je reviens. Ah voilà. Ouais, pas de soucis. Ça va? Viens un coup là, Nina. Je suis en train de lui parler là. Ah bon? Je m'en bats les couilles. C'est ma femme, hein. Donc à un moment donné, elle m'a dit. Allez, vite. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas enterrer quoi, toi, trou du cul? Il m'a vu d'une fille. T'as déjà assez enterré comme ça, hein. Faut arrêter à un moment donné. Qu'est-ce que tu racontes? Mais calme-toi. Oh, en moi, fait. Moi j'ai enterré parce que j'étais pas là, j'étais enfermé pendant des années et des mais années dans un bocal. Mais ferme ta gueule en fait. Pendant des années, 10 ans, j'étais enfermé dans un bocal. Mais qu'est-ce que tu as? Toi? Arrête de te raconter des par contre, vies tout là, le temps là. Moi, je vais te retrouver, je vais t'attacher, tu vas aller aucune place, toi, tu vas voir. T'es fou, toi. Je vais t'en donner, moi, enterrer, moi. Je vais t'enterrer, moi, t'inquiète pas que je vais t'enterrer. Tu vas voir que je vais t'enterrer. Trou du cul, putain. Écoute-moi bien. Tu fais ton intro. Moi, je vais t'enterrer vraiment. Je t'enterre vraiment, je te dis direct. Qu'est-ce que tu me fais, toi, encore comme singerie, là? T'es con ou quoi? Tu vas rien enterrer du tout, toi. Bien sûr, je vais enterrer. T'auras besoin de ça. Quoi? T'as besoin d'enterrer, toi. T'as enterré quoi? Pourquoi je... Et pourquoi j'aurais pas besoin, genre? Toi, t'es une... Tu vois, un peu, tu vois. Toi, tu vas foutre la merde, toi. C'est vrai. Là, non, là. Moi, Ron Flash, on me tape. Non, je rigole. Je t'ai pas tapé, là, ok? Bon, non, du coup. Prends-moi. Non, je rigole. Ouais, quoi? Ça t'excite? Arrête. Non, écoute-moi bien. Tu vas enterrer où? Je viens, moi. Mais, c'est un truc entre filles, hein. Je viens! Mais, c'est... Je sais pas, c'est Abby qui prépare tout. Mais il m'a dit, viens, il m'invite en strip-teaser. Quoi? Il m'a dit, viens, on se tente sur le teaser. Bah, de toute façon... Mais quoi, strip teaser? C'est... Eh, tu sais, la mode enterrement de vie du garçon, c'est plus ça, hein, c'est... Et filles, tout ça, c'est... Quoi? C'est quoi encore le mot, les gars? Attends, je réfléchis, c'était quoi encore le mot? Escape game? Escape game? Ça même? Tu racontes? C'était quoi le mot? Escape game! C'est ça la mode en ce moment. Escape game. C'est ça la mode, tu vois? Ouais, bien sûr c'est ça la mode. Je vais t'en foutre des modes, moi. Écoute, de tu façon, fais ton enterrement de vie. Que... Écoute-moi bien. J'ai dit à tu que fais que ton enterrement de vie, car j'assume, moi aussi je vais le faire. Mais tu l'as. Mais tu te fous et de ma gueule hier. Je le refais. Mais tu te fous de ma gueule, Ron? Je le refais. Eh, tu veux te marier avec tes couilles en fait, toi? Non, mais moi j'ai le temps. Tant qu'il n'y a pas le mariage, j'ai le droit d'enterrer, hein, tous les jours. T'inquiète, allez, enterre, vas-y. Je vais enterrer encore plus, moi. Je vais enterrer plus que toi. Tu casses les couilles, je te jure, tu me casses les couilles. T'inquiète même pas, enterre, vas-y, y'a pas de problème. Va te faire foutre, allez, dégage. Mais qu'est-ce que t'as besoin d'enterrer là, de strip-teaser? Mais putain, mais j'ai pas besoin d'un strip-teaser, j'en ai rien à foutre. Mais tu vas faire quoi? Ta gueule, oh. Dis-moi ce que tu vas faire là. Tu me casses les couilles à gueuler tout le temps, putain. Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Mais rien, j'ai envie d'un truc posé entre nana. Que nana? T'as qu'à te déguiser en fille, bah oui. Ah bah c'est bon alors, allez, on y va. Après, s'il y a biffé quelque chose, c'est pas ma faute, hein. Ah non, là, les gars, je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça, les gars. Hé,
Eh, commence pas à me casser les couilles. T'es en feu là, hein, t'es en feu là, hein. Arrête, hein arrête. Là t'es en feu, moi je vais te donner moi le feu, moi. Bon allez, viens, on va faire cette course. On en reparle après. Contre, ah merci, des verres. Mais je m'habille pas tant que je t'habille pas. Tu veux que je m'habille? Ouais. Ok, j'aime bien te regarder comme ça. Ouais, je vais faire ça, je vais m'infiltrer, je vais mettre un apparence, je vais m'infiltrer dans son truc. T'inquiète pas Nina, fais ton vie, t'inquiète, moi je serai à la maison, t'inquiète pas. Y'a pas de problème, je te laisse faire ton truc. Ouais, y'a pas de problème. Maman encore. Bonjour. Mange à où? Quoi? Mange à où, là, dit? Mange-moi. Non, j'ai dit maman. Maman, bah à la réunion, on dit maman, maman, maman. Écoute, allez, on y va. T'es pas réunionnais, toi, trou du cul. Ouais. Bon, à un moment donné, si vous me mettez des programmes, c'est slash boîtier. À un moment donné, faut arrêter de me casser les couilles. Hein. Allez, go! Allez, c'est bon. Bah, saute un coup, petit neveu. Oh, mon tonton chéri. Allez, mon. Bon, moi, j'ai un défaut avec moi. Je pars avec un handicap. Hein. La voiture, elle est plus lourde. Allez, c'est bon, je rigole. Je rigole. Mais c'est un gros bouillot. Tu vas faire quoi? Tu vas rejoindre Sacha, peut-être? Eh hey, comment? Et tu mets tout de toute façon, en un instant, on va aller ensemble là, les affaires là. Tu vas aller voir oui, moi, c'est qui Sacha? Moi, je vais. Oui, y a pas de souci. Attends, Eka, prochaine cible à tuer, Sacha. Ouais. Allez. Allez, venez. Merci DVR, t'es vraiment un boss. Ouais. Ma voiture elle est lente par contre les gars. Il sait pas conduire ce gosse, prends les derniers véhicules. Comme d'habitude les gars. Crie s'il te plaît Aaron. Y'a le frame. Non j'ai dit comme d'habitude. On va où? Au garage au nord, tout au nord. On prend l'autoroute. Attention, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Programme prêt. Maximum, allez, 8, pas plus, hein, faut pas abuser. N'est-ce pas, Jason? Moi, je suis pas mis plus. 3, 2, 1, go! Parle plus, je me concentre. Putain, je suis à fond là. Vas-y, put. Il triche, c'est sûr, il triche. Ah oui, ils ont monté là. Il va se cracher, hein, t'inquiète. Hein. Regarde, ouais, je l'ai abusé. Non, mais là, c'est vraiment. T'inquiète. Attends. Pas, il va se cracher, fais-moi confiance. Tu veux que je fasse le cracher? Non, t'inquiète. On va le rattraper. Il abuse, ouais, je me casse. C'est pas grave. Je peux pas te laisser marcher sur les pieds comme ça. Hein. T'inquiète pas, j'ai déjà gagné, hein. Fais-moi confiance. Hein. Bon, allez, moi, on triche pas avec le truc, avec un tricheur. Allez, viens. Pose-toi tranquillement. Oh, c'est grave.
Combien de programmes? Bah, le temps de vous attendre. Combien de programmes? 8. 8, tu te fous de ma gueule, trou du cul? Mais si. Bah, t'avais pas 8 ans. Aaron, t'avais pas 8 ans. Ma gueule. La tête de ma mère. La tête de ma mère, j'avais 8 de programme. Moi aussi j'avais 8, moi j'avais 8, 4. Ouais, j'avais abusé, vous avez au moins 64, 628 là. Non, moi j'ai 8, 4. Eh, après ma fesse, t'as trou du cul là. Bâtard là. Ma voiture. Moi je suis pas être attaqué dès au début. Bah je sais pas ce qu'il a fait, c'est les parties avec hein. T'es laisse pas faire. Il y a plus de véhicule. Bon, on va aller voir Sacha. Ouais, allez. Mais vous avez quoi, t'as quoi contre lui? On y va tous ensemble, y'a pas de problème. Mais tu l'as passé qu'au gérant et maintenant tu veux le buter? C'est quoi ça? Ah, pourquoi vous voulez buter Sacha? Mais j'ai rien contre lui. Non, t'inquiète, rien contre lui. On va aller. Mais non, on y va, on va aller le voir. Non mais vas-y tranquille, qu'est-ce que tu veux lui faire? Non, on y va, on a les affaires. Ouais bah... Pourquoi tu veux lui mettre une balle? Comment ça il veut lui mettre une balle? Bah je sais pas, il veut... Bah il ouais, veut lui... Je vais arriver. C'est moi qui l'appelle. C'est moi qui l'appelle. Ouais. Ok, ça va. Ouais bah... Ah, t'étais parti te poser à la plage? On s'en fout, pourquoi il raconte sa vie? Mais je... Ok, je... Mais toi tu frappes ta... Mais t'es sérieux ou quoi? J'ai glissé. Mais t'as glissé de quoi, t'es sérieux? Arrête putain! Relever, ouais. Mais t'as vu, il raconte sa vie! Ça va, Nina, t'as glissé? Ouais. T'es con ou quoi? Pourquoi il te raconte sa vie, wesh? Mais il me raconte toujours sa vie! Mais j'ai rien à foutre, moi! À chaque fois, il veut, me payer un verre en plus et je lui dis non, mais bon. On y va? Quoi? Bah, c'est rien, un verre, c'est bon, hein! Elle veut être quoi, coca? C'est de l'alcool? Oui! Là non. Là non. Calme-toi. On paye un verre. J'ai lui donné moi son verre, ce fils de pute. Quoi, il va payer un verre qui? Qui? Il est où? Montre-moi où il est! Nina! Il est où? Quoi, bébé? Calme-toi! D'où il te paye un verre? Tu te fous de ma gueule? Mais je l'ai pas dit oui! Je m'en fous! Ah, mais bébé, calme-toi! Mon véhicule. Ok, ça. Ok. Allez, vous faire enculer, c'est bon. Quoi? Attends, t'as fait quoi? Eh, c'est bon, c'est qu'un verre, Aaron. Ouais, oula. C'est. Putain! C'est un gros cœur, Aaron! Pas ce bâtard. Juste pour un verre.
Ouais, c'est cool. Allez, on y va le voir. Contrôle-toi, s'il te plaît. Bah, dans le garage, y'en a pas. On y va, suivez-nous. C'est où? Mais bébé, qu'est-ce que t'as? Allez, remontez, je sens que ça va mal finir. Ah, moi, je monte avec vous. Hein. Y'a pas de problème, Nina, t'inquiète. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es fou? Comment ça? Mais pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que t'as? Tu parles normal, là. Non, non. T'es énervé. Allez, calme-toi. Putain, tu sais que j'en ai rien à foutre des autres mecs, en plus. T'inquiète, je suis calme. Mets le point. Non, t'es pas calme. Mets le point. Mais... Il est où? Je sais pas s'il est... Je sais pas s'il il est... me répond plus. Mets le modificateur de voix. Non, non. Ça va, oui. On y va. Quoi? On va où? Je sais pas, moi j'attends Nina et... À l'unicorne, au pire, ils nous rejoignent là-bas, non? Ils sont pas à la plage? Ils sont à la plage? Bah, go voir la plage, hein. Bon, bah, on va les voir. Je sais pas, Nina, elle est où? Moi, je filme. Je fais un vlog. Allez, go à la plage, alors. À côté de la plage tout le temps, hein. Allez, go. On a 10 allez. Km, les gars. Allez, c'est parti. On est vraiment en train de faire là ce que je pense, hein. C'est quoi? Allez, viens, ramène-toi maintenant, Jason. Elle a pas crash, là, Nina, par hasard? Tu vois là, Nina? Je crois qu'elle est plus dedans la voiture, non? Parage, le tépéré. À un moment donné, faut arrêter, les gars. Moi, le jour, les gars, de son enterrement de vie de jeune fille, je vais m'infiltrer, je vais me mettre en fille, je vais prendre une apparence de fille, et je vais m'infiltrer, moi. Ah, il faut que je vérifie si tout va bien. Et ça va, les gars, regardez en haut dans le ciel. En haut de votre plafond, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il y avait? Là, regardez. Vous avez vu? Regardez. Ah, Ron, il fait trop la merde en vrai. Putain, il est trop stylé, putain. Même dans les virages, il passe à 400 facile. Oh putain. Là, vous avez vu? Il y avait une mouche? D'accord. Vous avez vu quoi? D'accord. Ouais, j'ai vu mon plafond. Vous avez vu comment c'est stylé le plafond? Vous avez vu? Vous avez vu le plafond, comment c'est stylé, le frère? J'étais méchant avec le Sacha en vrai. Le pauvre putain, il a rien demandé. Sacha, excuse-moi, si tu m'entends, excuse-moi. Ça, je vais essayer de la rappeler. Mais tu vas me payer quand même, Sacha. Bonjour. Oui, du coup, c'est pour la clé, etc., etc., le contrat pour l'unicorn. Ah, bah attendez, je finis vite et j'arrive. Vous êtes où? Je suis sur la plage. Vous nous rejoignez à l'Unicorn? Pas de problème, pas de problème. C'est bien vous qui reprenez tout? Ouais. Vous quand même. Ok, très bien, on va discuter à l'Unicorn tranquillement. Je suis le patron. Ok. Il y aura la patronne aussi, t'inquiète pas. Ok, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. On va tout de suite à l'Unicorn. On vous attend là-bas. Ok. Ok.
Attends, répare ma voiture là, s'il te plaît. Voilà. Remets bien là. Voilà, la ménée. Ma petite. Arrête, hein. Attends. Mets pas trop d'huile sur toi. Hein. Oh, comme ça? Oulala, répare. Répare le moteur. Il arrive à l'unicorne, il a dit. Hein. Répare. C'est bon, allez, go. C'est bon, rentre. C'est bon, ouais, c'est bon, j'ai réparé. Ça m'a cassé les couilles. Allez. Ok. Je vais lui dire deux mots, moi, Sacha. Mais qu'est-ce que t'as? Tu trouves ça normal, toi? Il t'invite à boire un verre? Je vais lui dire, moi, d'où t'invites. Non, t'inquiète, on va parler, lui et moi, t'inquiète. On va voir s'il va te demander la même chose. Putain, je pensais que j'étais fort jalouse, mais t'es très jaloux, hein. Ouais. Ça m'excite. Moi aussi, on m'a invité à boire un verre. Qui ça? Quelqu'un. Qui? Mais j'ai refusé. Bah, dis-moi qui? Mais qui? Mais qui? Mais dis-moi qui? T'as vu? Donne le numéro. T'as vu? Quoi? Toi aussi, tu me comprends maintenant. Quoi? Non, juste le numéro pour voir... Non, t'inquiète. Abby. Toi? Oh putain. La honte sur moi, hein. À son âge. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, t'es sérieuse toi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? D'où t'invites mon mec à boire un verre? Toi, t'es conne ou quoi? Il va se marier, tu le sais très bien, non? Sale pute, va! Pardon. C'était ça une blague. Ah, c'était une blague. Ok, attends. Ouais. Ouais, il vient de me dire que c'était une blague. Voilà. Allez, on va régler son compte, lui. Je l'attends. Oh putain de merde. Oh putain. Oh non, faut que je l'aide. Oh. Mais pourquoi il tourne ici ce coup? Mais je vais l'aider. Il faut que je l'aide. Bah, comment il lui parle, il sait. Mais pourquoi il tourne ici? Arrêtez-vous. On les a coincés, c'est bon, on les a coincés. C'est ma calista, on peut vous aider? On les a coincés. On les a coincés, monsieur. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Y'a pas de problème. C'est elle la délinquante, c'est elle qui pilotait. Hein. Merci Aaron. Elle a kidnappé mon ami là. Elle a kidnappé mon ami. C'est elle, on confirme. Y'a pas de soucis, monsieur. Je vais garer ma voiture. Arrête de la voler. On est d'accord, il a kidnappé Milo. Milo, ça va? Regarde, Milo, il est blessé, putain, regarde son yeux. Alors là, écoutez-moi bien, me parle plus. Embarquez-la, s'il vous plaît, Milo. Milo, il a kidnappé Milo. Milo, les gars, on y va, on doit discuter à faire là. T'as besoin d'un EMS? Non, c'est bon, ça ira. Monsieur Marteau. Bonjour, monsieur. C'est vous, monsieur Sacha? Oui, c'est bien moi. Allez, venez avec moi, monsieur Chassa. Monsieur Sacha, y'a pas de problème. Oui. C'est vous qui voulez racheter la boîte, alors, c'est ça? J'ai bien compris. Ouais, j'aimerais bien. Vous invitez à boire des verres aussi, vous? Bah, si vous voulez que je paye un verre, je vous en paye un. Y'a pas de problème, on va boire un verre ensemble, tous ensemble, pour fêter tout ça. Attendez, je vais passer. On va aller dans mon bureau. Viens, Nina. On va aller dans le bureau, signer les papiers. En tout cas, merci de votre confiance, monsieur. Bon, c'est rien, ça. Vous appelez Sacha comment? Marteau. Ok. Vous travaillez ici de base?
Ouais, j'ai commencé ici en tant que vigile juste pour une soirée. Et après, bah du coup, j'ai commencé à être engagé ici. C'est vous que j'avais parlé l'autre fois de pas regarder. Non, c'était pas vous. De pas regarder. Je me suis un peu, franchement. Ok, c'est pas vous ça. Ah, je vous laisse faire vos affaires, allez-y. Ça va, Sacha? Ça va, et toi? Et t'es bien ta plongée? Cool. Ok. Alors, du coup, tu devais me parler pour une soirée, c'est ça? Ouais, j'avais pensé à faire une soirée genre avec des musiques d'années 80, un truc comme ça. Ok. T'as trouvé les personnes pour gérer tout ça ou dans mon charge? Là, il y aurait Catelia qui serait chaude pour faire le DJ. Genre pour mettre des musiques, tu vois, enfin juste passer des musiques en boucle. Ok, faudrait dire de passer par moi. Ouais, et puis les barman, j'ai les barman habituels, quoi. Ok, ça marche, enfin, j'ai un message. Oh, il y a quelqu'un qui demande si c'est ouvert. du coup, bah, si tu veux, tu peux. Si t'as le temps, là, tu peux ouvrir. Je crois qu'il y a des gens qui veulent venir. Mais attends, il achète ou. Okay. Mais c'est pas encore maintenant, c'est quand je pars, bébé. Ouais, ok. Oh, ah, attends. Je crois qu'on prend un peu. Tu es belle, là? Ouais, fais comme si j'étais pas là. Monsieur Sacha, okay. Alors, comme ça, vous invitez à boire à ma meuf? Non, je propose si elle va boire, vu que, comme elle dit que j'étais co-gérant, du coup, je préférais. Non, écoutez-moi, pourquoi vous l'invitez à boire un verre? Ah, je l'invite pas, je propose. Elle est pas obligée de dire oui, et c'est pas pour la draguer. On est pas un con. Ah, je vous prends pas un con, monsieur. Calme-toi, bébé, c'est rien, je t'ai dit. Non, y'a pas de problème. Ah, pardon. Aïe! Pardon. Non, allez-y, faites vos affaires, y'a pas de problème. Bah voilà, c'est bon pour moi. Bah écoute, on se recontacte pour. Tu me diras exactement ce que tu veux pour la soirée, moi je m'en charge. Ok? Ok, ouais. Bah en attendant, je vais aller voir c'est qui veut qu'on ouvre. Ouais, ok, ça marche. Alors. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Toi, pourquoi tu racontes ta vie? T'es bien les plongées? Si ça te regarde pas, c'est ça, juste wesh. Pour être sympa, wesh. On s'en fout. Ça se voit, t'as vu, il t'invite à boire un verre, toi, t'es con ou quoi? Mais il veut rien. Il est sympa. Toi, Jason, il est sympa. Milo, il est sympa. Mais c'est moi, je suis sympa. Ça te fait rire en plus. Milo, que ça. Au début, il m'a dragué, hein. Ah, tu restes une couche là. Oh, Nina. Quoi? C'est bon, il a rien fait. Ah, tu l'as énervé là. Oh merde. Calme-toi! Non! Fais mon gros cœur, amène-moi, c'est bon. Putain de porte de merde. Tous pris pour un con. Voilà. C'est bon. What? Ouais, il se passe quoi? Oh, monsieur. Mais ouais, je vous êtes fous, quoi. Faut pas vous péter les caisses. Mais il vient de péter les caisses des gens. Il vient de péter les caisses des gens. Un problème? Les flics derrière moi, ils sont à fond là. Genre on passe à côté d'eux, regardez.
Oh, marche arrière. Oh putain, non pas le karma. C'est moi qui vais les poursuivre. Je vais leur poursuivre, je vais leur dire sur le bas côté monsieur. Les pauvres. Eh hey Derek, c'est Derek qui pilote Drip hein. LAPD, hey gars. Stop your vehicle now. Ah, la musique. Oh merde! Elle a le lambeau maintenant! Là, voilà, c'est ça que je voulais! Ils peuvent rien faire avec la GTA! Bon allez, on est sème. Aaron, garde le mental. Là, il est énervé, il fout la merde maintenant. Je m'amuse un peu en vrai. J'ai envie de me détendre. Enfin, je répare vite ma voiture. Il a que 19 ans en vrai, ouais, bah oui. Allez, deuxième round. Je sais pas c'est qui Lamborghini là. La Bibini. Sur le bas côté, monsieur. Sur le bas côté. Non.
Ils arrêtent pas. C'est Kevin ça? Je ralentis un peu, ça buzait trop vite là. Ma voiture est trop cheatée, mais c'est ça qui est drôle. Bon, je les entraîne un peu en vrai là, là je suis en train de les entraîner. Putain, PNJ de merde! On se fait une balade en fait là les gars. Ils envoient, regarde, je reçois l'alerte, ils se demandent de renfort. Code 2. Moi je roule tranquille là. Et non. Ah ouais. Attends, il provoque là ce bâtard, attends. Ah, ce bâtard il provoque. Ça marche bien ça Lambo en vrai. Ah je suis mort. Ma voiture elle est trop puissante. Ils arrivent. Je roule tranquille là. Là je roule. Même là j'accélère pas à fond là. Bon allez, maintenant on va les semer parce que là, ça va durer longtemps sinon les gars. Oh le karma. Oh le karma. Oh c'est bon, je rattrape. Oh c'est bon. Oh. Autoroute. Ok les gars, autoroute. Let's go. Là c'est bon, je les oublie là. Ils m'ont vu ce bâtard. Mais tu viens ça ici. Moi je voulais Derek, moi je l'aime bien le rendre fou. Lui il suit hein. Il suit lui. Ah, je m'amuse un peu avec eux, tu vois. Ça les entraîne. Ça les entraîne. Ça va, ils gèrent. Ils pilotent bien. La bonne.
Ok, c'est la bonne. Faut que je trouve le numéro de Derek. J'ai envie de le faire rager, les gars. Attends, j'appelle. Kevin, il est là. Est-ce que c'était lui? Non, c'est bon, assez là, les gars. Je pense plus qu'il est là. C'est plus comme si rien n'était maintenant. Il est pas là, il est pas là, les gars. La voiture, elle est trop bien. Bah oui, il est trop cheaté, la voiture. Mais je le kiffe. Non. Bois de l'eau, bien vu les gars. Vous croyez qu'ils savent que c'est moi là? Vous croyez qu'ils savent que c'est moi? J'espère pas, hein. Désactive le ratata. Mais oui, ils savent, ils m'ont vu rentrer dans la voiture. Ils savent que c'est ma voiture. Je me suis foutu dans la merde là, les gars. Non, what? Sa voiture elle a encore ici pété. Ouais, ok, mais écoute, tu dis que je vais être flic. Non, 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 ah, c'est trop. Je vais me calmer, les gars. Je reçois déjà les notifs des flics, hein. Je vais changer de voiture, alors. Je vais changer de voiture. Celle-là. Attendez les gars, on va aller foutre un peu la merde. Ah là là, je suis mort. Merci pour le raid, Raid Shadow, même si c'est fini. Bonjour. Oh, bonjour. Oui. Oui. Vous désirez quelque chose peut-être? Oh attendez, je remets mon haut quand même, ça se fait pas. Allez-y. J'ai pas de... Ce n'était pas vous par hasard dans la GTA Rouge? J'ai oublié mon haut. Hein? Hein? Comment ça? Dans la GTA Rouge, c'était pas vous par hasard? Non, GTR. Non, Nissan. Ça me parle pas. Non, non, non. Unicorn, non. Non, vraiment, c'est pas bon. Moi, ça c'est ma voiture. Justement, on m'a volé ma voiture. Et ensemble. Attends, rouge et il y a des autocollants dessus. Ah ouais. Mais non, putain, non. C'est encore ce Jason da Silva et Liam Silva, s'il vous plaît. Mettez un annonce.
Avis de recherche sur lui, il vole tout le temps mes voitures, j'en ai marre, putain, après il me fout dans la merde. En plus, il était là il y a 2 secondes, c'est con ça. Ils ont caché ma voiture. Oh, putain, c'est con ça, hein. Est-ce que je peux porter plainte ou pas? Si vous voulez. Venez. Oh, merci monsieur. C'est pas possible. Je voulais finir l'interrogatoire. Lui-même il rigole. Pour? Est-ce que vous recrutez dans la police? Excusez-moi. Bien sûr qu'on recrute dans la police. Monsieur, est-ce que vous pourriez baisser d'un ton? On est en bas, il y a des gens qui passent ici, on vous entend gueuler jusqu'en bas. Jure. Moi? Vraiment? Oui. J'ai pas entendu. Là, c'est est-ce bon? Vous pouvez. Voilà. Ah, ouais, excusez-moi, excusez-moi, j'ai un grand mâchoire. Dis-moi. Ouais, mais en fait, chef. C'est par rapport. Enfin, que je te parle. Chef, c'est lui qui nous a fait tourner en bourrique tout à l'heure là? Le secrétaire hein du truc. Non, je me suis fait voler ma voiture, chef. Ouais, il s'est fait voler sa voiture, le pauvre. Je vais nous porter plainte. T'as de la chance, hein, j'ai frappé celui qui m'a fait tourner en bourrique. Hein. Quoi, tu. Non, vraiment. Ouais. Allez, venez, venez. Je peux porter plainte, monsieur. Mon 4 mister, je sais pas quoi là. Ouais, j'ai pris notre carte. Merci. C'est vraiment qui je vois là. C'est 23. Ah bon, non, jure, c'est 23. Wow. C'est une nouvelle coupe ça. Ouais, c'est une nouvelle coupe ça. Wow. Je suis allé faire des implants capillaires en Turquie. Ouais. Non, mais c'est plus 23, je suis. Bah non, c'est ça. Venez, monsieur, je prends plein. La Turquie Z. Mon 4 lister. Venez avec moi, monsieur Flash. C'est possible d'ouvrir la porte à monsieur le procureur, s'il vous plaît? Ouais. Où ça? Ah merde. Juste là. Venez. Moi, si ça se passe plus, je passe direct, moi, avec toi. Attends, je m'occupe de la place. Avec moi, tu prépares le dossier, là, t'as vraiment soin, enfin, jugement. Oui. Ok, attends. Au secrétaire du proc, parce que c'est... Oui, monsieur, Lucalisters. 88, je reviens vite fait. Pousse-toi. D'accord, on a compris que tu revenais. Oui, bah, et ça se passe bien, sinon, pour vous. Alors... Les personnes qui ont volé ma voiture. Jason Da Silva, Liam Silva... Deux minutes. C'est les Da Silva, c'est des fouteurs de merde, vous trouvez pas? Est-ce que vous pouvez lancer une avis de recherche sur eux? On est bien d'accord, c'est un dépôt de plainte, ça. Oui, et aussi un avis de recherche sur les Da Silva, s'il vous plaît. Ouais, ça marche, on va faire ça. Vous les connaissez de toute façon, c'est que des fouteurs de merde, on est y'a d'accord. Y'a pas de secrétaire, hein. Liam Da Silva et Jason Da Silva. Comme par hasard, c'est pas vous qu'on a vu monter la GTA. Non, je vous jure, monsieur, ils m'ont volé ma voiture, ils m'ont rendu fou. Putain, là, j'essaie de les rattraper. Vous avez cassé deux véhicules au niveau de l'unicorne. Mettez un avis de recherche sur eux, mettez une prime sur la tête, parce que là, c'est trop loin, là, ce qu'ils ont fait. Ah ouais, quand même. Non, après, non, abusons pas non plus, mais voilà. Et s'il vous plaît, retrouvez ma voiture. Plaque d'immatriculation, s'il vous plaît. Oui. Allô. Ouais, tout va bien. Merci. T'inquiète pas, j'ai envoyé les flics tout sur ta tête, gros bâtard. Là, je suis avec qu'est-ce les flics. Qu'est-ce qui t'arrive? Voleur, rends ma voiture. Mais t'as encore craqué ta voiture, elle est morte, elle a explosé. Comment ça, t'as explosé ma voiture? T'as explosé la mienne, j'ai explosé la tienne. Je suis au Comico, je suis en train de porter plainte pour vous, les Da Silva. Ah ben, moi, c'est bon, j'ai porté plainte pour toi aussi, c'est bon, allez, ça m'a donné. Viens au Comico, là, viens au Comico. J'arrive, c'est bon. Il arrive, là. De toute façon, là, il va. Il va voir, vous allez voir. De toute façon, monsieur, on verra. Il va arriver, faites-moi confiance, je suis venu avant. Vous allez voir, il va débarquer avec ma voiture. Non, il va pas faire, il a explosé ma voiture. Incroyable quand même. Oh, donc qu'est-ce qu'on fait? On note quand même la plainte, ouais. Oui, il arrive, s'il vous plaît, embarquez-le. Vous avez une preuve au moins? Vous avez une preuve? C'est celui? Bah écoutez, monsieur, moi j'ai plus ma voiture. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Ouais, vous avez pas preuve que ce soit lui qui l'ait prise. Oui, bah si je vous le dis. Il vient oui, de me le dire. Votre parole ne suffit pas. Il faudrait un enregistrement vocal ou quelque chose comme ça. Allô? Non, mais si monsieur... Attends, pourquoi tu portes plainte contre nous? Vous avez volé ma voiture! Et en plus, vous faites des courses poursuites! On t'a pas volé ton véhicule! Je l'ai pas, ton véhicule! Vous en pris en chasse, en plus, on est en train de me dire, là! Mais qu'est-ce que tu racontes? On vient de sortir du Comico, il y a même pas 5 minutes! Ah ouais, on essaie de berner les flics! On a un véhicule d'une école, on a pas ton véhicule! Berner Macalister comme ça, c'est le plus malin des flics! Mais tu pètes un câble ou quoi? C'est quoi? C'est ta jajoulise qui parle ou quoi? Voilà. Là, ils m'ont dit, ouais, non, de toute façon, nous on est au Comico, ils vont rien remarquer. Et je dis, ouais, tu as cru que tu vas les berner comme ça? Ils sont plus malins que ça. Ouais. D'accord. Ils arrivent là. Par contre, monsieur, je sais pas d'où on se connaît. Ils ont fait vite quand même pour l'exploser, votre voiture. Hein. Putain, ça rend fou quand même. Hein? Ça me rend fou tout ça.
Moi j'en peux plus, moi. Ça disant, c'est la famille, la famille. En tout cas, vous avez besoin d'aide un peu dans la police. C'est bien ce que je pense là. Comment ça? De toute façon, moi, si je suis recruté, Monsieur Smith me direct commandant lieutenant. Hein. Ça, c'est pas le problème. Est-ce que vous voulez qu'on lance des paris? Je serai votre chef. Je suis mort. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on... Vous me lancez le défi? Ouais, d'accord. Non, putain. Ah, lancez le défi de quoi? Déjà de rentrer dans les speedies. Ça, c'est déjà le plus grand défi. Écoutez-moi, pariez combien? Pariez combien? Je serai votre chef. Il arrive là. Attention, il veut m'agresser, monsieur. Regarde, regarde comment il arrive comme un taureau. Regarde. Arrêtez. Bonjour. Arrêtez-le. Vas-y, c'est un psychopathe. Bon, il a quoi encore ce monsieur là? Rends ma voiture. C'est quoi tes conneries? Rends ma voiture. J'ai pas ton véhicule. Déjà, je viens porter plainte pour vol véhicule. Véhicule. Regarde, il a explosé mon véhicule. Apparemment, il vient de vous avoir au téléphone. Et vous oui, il vient de m'avoir mon véhicule parce que je viens de lui dire quoi? Je viens de lui dire pourquoi tu portes plainte contre nous? On n'a pas ton véhicule. Vous avez volé mon véhicule. On n'a pas volé ton véhicule, qu'est-ce qui t'arrive là? Non. En plus que ça, vous faites des courses poursuites. J'apprends ça. Vous êtes en cavale. C'est incroyable. Personne là, il peut témoigner. Il y a 5 minutes, on était au commissariat. C'est impossible qu'on ait une course poursuite. D'accord. Mais c'est qui a volé mon véhicule alors? Qui a volé? Non, mais ils sont avec moi. Ils sont avec moi. L'autre, le Will, je suis maigri. C'est bon. Le clan là, c'est bon. Non, non, marre. Bah, s'il y a un témoin, il rentre. Oh lolo. Eh, monsieur Dacia, vous restez avec nous? Regarde, il essaie de s'enfuir. On veut tirer sur le terre. Bon. Regarde, lui, il a toutes les preuves. Il a tout filmé. Vous savez qu'il m'a fait ça il y a même pas une demi-heure. Hein. D'ailleurs, il y a vos collègues qui m'ont... Non, mais c'est bon, ça m'a saoulé, hein, c'est bon. Ah, bah voilà. On vole mon véhicule. Deux fois qu'il veut plus porter plainte, hein, vous voyez. On bon, vole mon véhicule. Flash. Ah, d'un coup, ça... Non, par contre, dégage-le, lui. Enlève le... C'est son métier, il fait des vlogs. Wow, j'ai le droit de filmer. J'ai le droit. Tu t'es bien amusé. J'ai le droit de filmer, monsieur. Vas-y, baisse-moi toute ma crache, je te fais virer. Casse-toi, je te dis, casse-toi. Donne-moi ta place. Il a le droit, monsieur, il a le droit. J'ai le droit de filmer. Il fait comme les... J'ai le droit de filmer. Il fait comme les journalistes, j'ai le droit de filmer. Je vous floute, c'est dans la loi. Non, qui donc, sort de là, toi. Allez, dans mon... Allez, sors dehors, filme dehors, Milo, filme dehors. On va filmer dehors, pas de nos allumes. Je m'énerve. Bon, ben sinon, merci en tout cas, désolé de vous avoir dérangé. Tiens, d'un coup, file ça bien ça votre tête, vous. Ouais, je ne filerai pas ta tête. Foule bien ta tête, toi. Monsieur le procureur, ça va bien. Ça se passe bien pour vous. Oui, ça va beaucoup de travail ce soir. File bien ta tête, toi. Barto, je m'énerve. Ouais, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous voyez beaucoup de criminels. J'aimerais bien, avant que je parte de cette ville, vous rendre un coup de main. Y'a pas de problème. Vous savez, vous pouvez compter sur moi. Ah, bah vous tombez bien. Vous tombez bien hier. Je voulais vous parler d'un truc et j'ai oublié. Oui, y'a pas de problème, monsieur le procureur. Attendez, venez, on va dehors, venez. C'est bon? Vous vous portez plus de plainte, d'un coup? Comment ça? Quoi? Vous portez plus de plainte, monsieur Flash, c'est bon? La porte plainte, non? Fini? Vos agents sont incompétents, franchement, ils pensent que je suis un mytho, je dis que je viens de me faire voler ma voiture. Mais c'est pour ça, on prend pas au sérieux. Flash, qu'on soit clair entre nous, je suis pas incompétent, vous avez pas me traiter d'incompétent, c'est compris? Bon, 88, vous calmez le slip. Oui, calmez-vous, 88, par contre, ça va pas le faire. Non, vous allez pas me prendre de haut, je suis pas. Non, par contre, 88, c'est moi qui te dis là. Vous partez, 88. D'accord, allez, voilà. Qui part maintenant? On peut y aller, hein? Hey, Milo, arrête! Attends, monsieur le procureur va me parler. Oui, venez. 88, bougez de là. Arrêtez, par contre, vous sortez. Venez. Ça me gonflait avec votre appareil photo. Alors. Voilà, moi là, monsieur. Fais-moi le malin. Y'a un problème, hein? 88! Ouvrez la porte pour moi, s'il vous plaît. Tu veux finir la circulation? Je te dis de bouger, tu bouges. C'est incroyable quand même, hein? Bouge, comment on me traite? 88, écoutez le procureur. Milo, allez là-bas, Milo. Filme de loin. Appareil photo. Filmez de loin. Je suis loin là. Allez à l'aéroport. Je suis loin là, monsieur. Non, mais après c'est pas grave, je vais retrouver par moi-même le véhicule, y a pas de souci. C'est passé quoi? Vous avez perdu votre... On vous a volé votre véhicule ou... Ouais, mais je vais le retrouver, c'est pas un souci. Après, je suis venu proposer mon aide à la police. Je me suis dit, pas vraiment avoir un contrat, vous voyez. Juste si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Mais ils m'ont rigolé, ils disent déjà essaie de te faire recruter. Ils m'ont mal parlé. Vraiment, les deux blonds là, ils m'ont mal parlé. Mais bon, après, c'est pas grave. Ils savent pas, mais y'a pas de soucis. Moi, je vais m'en occuper après, inquiétez pas. Du coup, oui, je voulais vous parler d'un truc hier, j'avais oublié. Ouais, dites-moi. Comme vous m'avez dit hier que vous aviez pas mal d'énergie, etc. Ouais. Nous, si jamais vous avez un surplus d'énergie, en ce moment, on a des clowns. Un peu bizarre qui s'attaque aux femmes de la ville. Ah ouais? Si ça vous intéresse de leur péter la gueule, on vous laisse faire. Hein, vous avez mon numéro, dès que ils sont là, vous m'envoyez un message, je m'occupe d'eux.
Allez, on fait comme ça. Putain, en plus ça touche les femmes, c'est n'importe quoi. Ah oui, leur coupe les doigts et tout. Hein. C'est des psychopathes alors. Ouais, ouais, ils nous ont fait. La dernière fois, ils ont. Alors, moi, ils m'ont déjà chopé au tout début, je suis arrivé dans cette ville. Voilà, voilà. Et là maintenant, en fait, ils prennent des gens en otage. Et si on leur amène pas trois femmes le soir, en fait, ben ils tuent. Écoute, ils veulent tuer. Je vais m'occuper d'eux au plus vite. Ah, y'a pas de problème. Ils sont deux maintenant. Ok, y'a pas de problème. Ah, c'est cool. Super. Y'a pas de soucis pour ça. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, ah, du parfait, coup, parfait. Sinon, voilà. Je vous laisse vous occuper des deux autres là. Voilà, c'est tout. Mais sinon. Oui. Sinon, bah. Vous inquiétez pas. Je vous tiens au courant. Ça va chauffer de toute façon. Là, j'ai eu pas mal d'échos ce soir qui me plaisent pas trop. Ça va chauffer. C'est bien, monsieur. Vous faites bien votre boulot, c'est incroyable. Et non, bientôt, normal. Je vais me marier et vous êtes tous invités. Hein. Ah oui, on m'a dit week-end. C'est vrai, félicitations. Merci. Après, je quitte définitivement cette ville. Enfin, je vais vous un aussi. Peu. Ouais, un peu à l'horizon. D'autres endroits, découvrir d'autres choses. D'accord. Avec ma femme. Décidément. Si tout se passe bien d'ailleurs. Parce que là, ça commence à partir en couille. Bref. Vous savez quoi ? Moi, hier, à cause des stripteaseuses, je me suis mis aussi dans la merde. Hein. Ouais, ah. C'est ça, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai vraiment rien fait. Moi non plus, c'est lui, il a fait que des conneries, ça me tombe dessus. Après, à un moment donné, il faut se détendre dans la vie. Hein. Moi, j'étais enfermé dans un bocal depuis quelques mois. Voilà, ça y est. Hein. Ah oui, je comprends. Hein. J'étais en cendres pour une fois que je vis, voilà. Ah, vous avez raison, hein. Ah, bon, mais les formes, elles sont spéciales, enfin bref. Ouais, on se tient au courant, de toute façon, je vous souhaite une excellente journée. Vous aussi, hein, bonne soirée, puis on s'appelle. Merci. On s'appelle pour les clowns. Pas de soucis, au revoir. Bonne soirée. Au revoir, monsieur Flash. Allez, Daddy, on travaille encore. Ouais. Très bien, merci. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Bon courage à vous, en tout cas, monsieur. Ouais, une grande ligne droite, elle a pas un d'ici à ça. Paletto, on va voir 320 max. Juste, par contre, il y a un truc que je déteste. Ouais, moi, je vais expliquer comment ça marche avec moi. Écoute-moi bien. Donc, attendez. Déjà, tu vas me vouvoyer, ok ? Je vous donne du respect. Attendez. Donc, vous me donnez du respect, je vous donne déjà, respect. Tu vas me vouvoyer. Par contre, d'où vous me prenez d'eau ? Parlez un peu d'où plus fort, j'entends vous chuchoter. J'entends. D'où vous me prenez de haut, vous ? Vous prenez écoutez, un claquement de doigts, je peux vous foutre à la porte. Qu'est-ce que vous dites là ? D'accord, vous pouvez me foutre à la porte un claquement de doigts, d'accord, ça marche. Juste, écoutez-moi, moi je vous ai pas manqué de respect, donc vous. Mais y'a pas de problème, je vous manque pas de respect, monsieur, y'a pas si, de problème. Si, incompétent là, par contre, ça m'a pas plu. Ok, c'est je m'excuse, écoutez-moi. Ouais, et par contre, vous venez pas me prendre de haut, ouais, vous voyez, là. Ok, vous baissez vous voyez, monsieur, on n'a pas élevé les coques ensemble. Écoutez-moi. Moi je vous dis comment ça marche. Tant que vous me respectez, je vous respecte, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Le respect il est rompu. Mais vous, vous m'avez respecté quand je suis venu dedans, j'ai dit que je me fais recruter, vous allez rigoler dans ma gueule. Oh, c'était assez marrant quand même, j'ai pris ça pour une blague quand même. Alors marrant. Que si je veux, je peux être votre supérieur du jour au lendemain. Vous allez, êtes sûr ? Bonne blague. Vous voulez bonne vous relever blague, ce défi, monsieur ? Bonne blague, monsieur Flash. Ouais. J'ai beaucoup fait pour ce pays, ils savent très bien. Ah oui. Et ils ont besoin des hommes comme moi dans leur équipe. D'accord, on leur dira. Mais bon. Allez, monsieur Flash, bonne journée, hein. Allez, pas de soucis. Oui, j'entends, mais juste. Je sais pas. Je pense. Tu sais pas. Tu sais jamais. Ouais. Non, je sais pas. C'est sais bon, jamais. Tout est réglé. T'es sûr, hein. Tout réglé. Mais genre, c'est quoi le problème avec vos photos? Ah, non, c'est bon, là, chacun fait son travail, partez, hein. Vous parlez c'est pas. Son. Son, on va quand boulot. Même le voir, voiture. Ah, c'est 88 ça ? Non, c'est pas 88. Ah, 88, t'es conneries, faut pas toi, le parler avec lui. Hein. C'est bon, tout est réglé. Mais arrête tes conneries, hein. Mais il me croit pas. Il croit pas de quoi ? Tu m'envoies les flics, ça fait deux fois. Du coup, vous avez brûlé votre véhicule, le véhicule ou pas, monsieur ? J'en sais rien, moi, ce qu'ils ont fait de mon véhicule. Ouais, je l'ai brûlé, voilà. J'ai tout fait. Voilà, il a assumé. Pas trop tôt. Il fait ses aveux. Mais il nous faudrait la carcasse. Pardon. Non, je vous jure que j'ai glissé. Ok, y'a pas de soucis. Je vais juste aider mal relever. Aidez-moi à le relever, s'il vous plaît. Putain. Mais je veux l'aider. C'est quoi son prénom ? Aucune idée. C'est pas 88 ? Non, parce que moi j'ai 88, hein. Non, c'est pas lui. Il est sympa, lui. Dommage, c'était pas 88. Bah, il a pas l'air de se relever, par contre. Ça va arriver, doucement. Bon, 20 Jack, t'as pris le matricule que je voulais. J'ai mis j'ai vu la lune, les étoiles et... Excusez-moi, monsieur, vraiment, j'ai... Ok, moi, t'as besoin d'un verre d'eau. J'espère que ça va, c'est bon.
Ramassez vos dents, vous avez perdu des dents. Attends, je te ramène ça. Je dois, putain, je vous dois des dents, putain. Tenez, prenez ça, monsieur, bougez pas. Je donne un petit monnaie. Si ça peut vous payer les soins. Merci. Y'a pas de quoi. C'est beaucoup quand même. Non, y'a pas de quoi. C'est une année de paye. Payé, parce que les dents, ça coûte cher, monsieur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Hein. Et bah, tant pis pour les dents. En tout cas, bonne patate, hein, parce que... Oh la vache. Non. Il en a pris une pas deux. Attends, je te rappelle dans deux. Au gouvernement, Ron. Comment ? Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, Ron. Arrête de faire tes conneries, s'il te plaît. Ça va ? Tu fais quoi ? Ouais, tu fais quoi ? Allez, vous faites. Qu'est-ce que je vais faire de lui, moi ? Descends, descends la voiture. Ouais. Et ouais, je pars, je repars comment, wesh ? Ben, on va te déposer. Mais vous allez où ? Ça va, on va. Ah, on va. Vous voulez que je vienne avec vous ? Bah, viens si tu veux. Elle est où, Nina ? Elle est partie dormir. Avec Sacha, sûrement. Arrête, là ! Comment ? Vous vous décidez de vous faire ? Ah ouais, non, parce qu'on... Pourquoi on me dit... que t'as été dans une maison, pas une boîte de nuit ? D'où il y a des lits dans les boîtes de nuit ? Ah ouais. Toi, je te dis direct, tu vas pas commencer à me casser les couilles avec ton boîte de nuit. Commence si t'es pas content, tu sais, c'est la même chose, ok ? Eh, va te refoutre, hein, tu vas face à face au lieu de parler au téléphone, tout ça, avec ton sacha de merde là. Milo, tu te fais draguer, espèce de grosse con, va te faire enculer. Mais espèce de gros con. Pardon ? Tu veux bien lui parler autrement ? Elle m'a énervé. Ouais, mais c'est pas une question pour lui manquer de respect comme ça, Aaron. Elle m'a manqué de respect avant ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, c'est parce que c'est une meuf, j'ai le droit de me laisser. Je dois me laisser faire ? Non, mais non. Mais okay, je la rappelle. Tu prends plus de tact, c'est tout. Oui. Attends, tu me raccroches maintenant, tu me rappelles qu'est-ce qui t'arrive, ouais. Ferme ta gueule, putain, tu peux parler tranquillement, ferme ta gueule. Ah, ok, pardon. Oui, désolé, oui. Ah, oh, pardon, bébé, je suis désolé. Je t'aime, mon amour. Ah, oh, je t'aime, ça mon cœur, je suis vraiment désolé, putain. Oh, mon bébé. Oh, tu me manques, tu me manques. Ouais. Du coup, tu me parlais quoi, Lee, de quoi? Ah, je sais pas, bébé, c'est rien, laisse tomber, je t'aime. Ok, je vais. Tu es où? On attend le mariage ou. Ah, non, là j'ai envie là. Viens me prendre dans le bureau de l'unicorne. Tout de suite. Je suis au bout. Oui, vous pouvez partir, vous. Qui? Quoi? Y'a Vito, Angela. Pas te faire enculer, mais, okay, non pas te faire mais c'est Vito. Vous avez entendu? Excusez-moi. Non. Ah, ouf, oui. C'est bon, merci. Entendu quoi? Non, c'est ma meuf, c'est bon, les meufs ils cassent les couilles, je vous jure. Ouais, ouais. J'ai pas entendu. Non, ça va. Vous venez voir. Oui, s'il vous plaît, je peux rentrer. J'essaie de mettre mon haut, ouais, je suis désolé de vous manquer de respect, monsieur, mais j'ai pas mon haut. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, okay, suivez-moi. Oui. Mon bébé à la crème, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, c'est bon. Mais je suis avec Angela, elle me parle pour une soirée qu'elle doit organiser. Comme d'habitude, Angela, les soirées, les boîtes, mais bébé, j'en peux rien, c'est mon taf. Jeune fille, c'est bon, c'est trop... Oh, mon chaton, arrête. T'inquiète, t'inquiète. Oui, fais vite. Allez, arrête. Oui. Ouais, va... T'inquiète, okay, t'inquiète. Je peux pas mais... revenir, désolé. Bonne nuit à toi. Ah, décidément. Alors, oui, code pénal, on y va. Page 31. Alors. Je peux vous le dire, je l'ai lu. Alors, ils vous ont mis quoi comme chef d'accusation exact, amende et tout ça, faut que je sache. J'en sais rien. Après, monsieur le procureur, eux aussi, ils abusent. Je suis en train de parler, par contre. Non, mais faut arrêter. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. Vous faites des bêtises, faut assumer à un moment donné. Non, par contre, tu vas vite te taire, mon ami. Après, c'est monsieur le procureur qui est dans la merde. Tout le temps, il vous couvre. Il vous couvre, et à un moment donné, c'est lui qui va perdre le contrôle. Ok. Monsieur le procureur, faites attention à vous en tout cas. Arrêtez comme ça. Ne vous inquiétez pas. Sors d'ici, va te rhabiller et puis reviens. Qu'est-ce qui lui arrive avant ça? Mais c'est juste la jalousie là qui parle. C'est ça, ouais, c'est ça. Monsieur, on a un mot pour. Alors moi, ça me casse les couilles. Je suis pas venu. Là, j'ai appelé Nina. Elle m'a dit, viens le voir, le prendre sous le bureau. Sur le bureau. Après, elle me dit, ouais, les autres, partez, c'est bon, j'ai fini avec vous. Genre, elle est en train de faire de la merde derrière mon dos, moi j'ai l'impression. Et ça, je vais le vérifier maintenant.
là maintenant, je voulais savoir un si truc, vous monsieur, voulez de l'action, je vais aller maintenant la revoir là. Et moi, je vais tout défoncer à l'unicorne. Je vous avoue un truc, hein. Quand on l'a laissé, il t'avait monsieur Chacha. Hein. Mais, écoutez, venez, vous allez tout filmer. Ça va pas se finir comme okay. ça. Moi, je vous dis. La pompe peut tuer 88. Non. Là, à un moment donné, je vais arriver, je vais tout péter. Parce que là... Elle est un unicorn, là. Sa voiture, ça, ça doit être leur voiture de merde, attends. Je te laisse garer. Ah ouais. Un riche. Ah non, c'est la voiture de Vito, ça, je crois. Il est où Sacha? Il est où Sacha de merde? Mais bébé, il est pas là, Sacha. Toi, tu me prends pour un con, toi, vraiment. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qui qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais avec Angela et Vito. Cassez tous les couilles, putain. Mais qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Baisse les bras. Pourquoi baisse les bras? Bah, baissé, là. Voilà, c'est bon. Putain. Mais calme-toi, pas de chasse, qu'est-ce qui t'arrive vue. Tu veux que je te montre les messages? Montre le coffre. Ah, c'est bon. Ah, c'est Milo, ça. Milo. Oh, bébé, arrête. Milo. Arrête. Bébé. Bébé. Oh là là. Ah, je crois que c'est Aaron qui s'énerve. L'État ah, Silva me casse les couilles. Maintenant, il y a le Sacha. Essaye pas de t'enfuir, toi. Je te dis direct. Mais je m'en... Allez, calme-toi, là. Putain. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop, ouais, c'est trop. C'est n'importe quoi. Quoi? Mais qu'est-ce qui... Oh, t'enfuis pas, toi, non plus. Là, ta bile, elle me casse les couilles. Allez, qu'est-ce qui se passe? Le Jason... Elle pète au casque. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux que j'engueule mon père? Est-ce que tu peux les appeler, les engueuler? Parce qu'ils m'ont encore blessé. Tu veux que là-bas. Les engueule, bébé? Ouais, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce là, j'étais au goût, ils m'ont foutu dehors. Est-ce que tu te rends compte? Ils t'ont foutu dehors. Devant le procureur. On fout pas mon bébé dehors. On fout pas mon roux dehors. Attends. Merci. Oui, bien sûr, mon cœur. T'appelles les deux, hein? Je vais les enculer. On touche pas mon rouron. Oui, qu'est-ce que vous avez fait à mon rouron? Pourquoi il est comme ça? Il a quoi? Mon rouron, il est pas content là! Non, on fout pas Ronron dehors. On fout pas Ronron à la porte. C'est quoi ça? Ils m'ont manqué, ils m'ont fait perdre toute ma crédibilité. Quoi? Vous avez fait perdre la... Vous avez fait perdre la crédibilité à mon... Oh, il m'a raccroché à la gueule, ce petit chien. C'était ouh. Qui ça? C'était tonton. Appelle l'autre maintenant, le Jason là. Ouais, papa. Qu'est-ce que t'as fait encore à mon Ronron? Qu'est-ce que vous avez fait à mon Ronron? Oh putain, vous me cassez les couilles, hein, quelle famille de merde, hein, putain! Putain, j'en ai marre. Merci moi. D'avoir pris ça en clip. Oui. Milo, regarde-nous, on est énervé là. Toujours, toujours. Voilà. Non, c'est trop là. Bébé, calme-toi. C'est bon, je les ai engueulés. Et toi, je t'ai pas oublié non plus! Quoi? Désolé. Mais j'ai rien fait, bébé. Ouais, c'est bon. Non, mais là, c'est bon, toujours tu me gueules dessus aussi là! Ta gueule! Pardon. Désolé. Je voulais pas. Désolé bébé. Non, je voulais pas non plus. Fais-moi un bisou. Mmh. Voilà. Mmh. Merci. Là, c'est qui m'envoie quoi des SMS là? Et Abby, appelle là, s'il te plaît aussi, elle là, cette okay, connasse. Ok, tu veux que je lui dise quoi, Abby, mon cœur? Abby est vénère, Abby est vénère. Qu'est-ce qu'il m'appelle, lui? Lui, c'est Abby la plus vénère là, il faut la kidnapper. Parce que la caselle est vénère maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'envoies 3 de ces points? J'espère que tu mets ça sur YouTube, hein, toi. Bah, je sais pas, tu te plains encore à Nina par contre, parce qu'on t'a fait chier. Qu'est-ce que t'as? Je me suis pas plein, ouais, j'étais un problème. Vous me foutez dehors, je viens, vous me foutez dehors. Vous foutez la merde. T'as vu ce que tu dis ou pas? Arrête de faire tes conneries. Vous foutez la merde, putain de merde, et après vous voulez aller voir le procureur. T'as vu ce que tu fais? Vous voulez aller voir le procureur pour vous blanchir à un moment donné, putain. Ils abusent, c'est d'abus de pouvoir. Ils vont voir le procureur pour leur blanchir alors qu'ils foutent la merde. Quoi? Tu vois? Attends mon bébé. Écoutez, on va aller voir le procureur. À un moment donné, vous allez le foutre le procureur dans la merde, les gars. Assumez pour vos conneries. Vous volez mes véhicules?
On va aller voir le procureur, bébé. Viens, on y va. Ouais, va parce que là, c'est trop, là. Allez, bébé, nous, on y va. On y va, bébé, allons, nous. Non. Allez, on y allez. Va. On va prendre la voiture de... bébé, nous. Non, j'ai pas appelé toi, bébé, nous, arrête. On y va. Allez, bébé. Suivez-moi. Prenez pas un animal, c'est pas possible. Hein? Vous prenez pas un animal. Un animal? Après, d'un sens... Oh. J'ai oublié celui que j'avais mis du coup. Oh. Ouais. Ça va, Aaron? Ouais, ça va. À part les Da Silva qui fout la merde après qu'ils veulent se faire blanchir. Pas elle, un peu. Qui ça? Nina, c'est une flash maintenant. Hein. Nina, c'est une flash. Hein, Nina? Bah, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a un peu. Nina, t'es une flash, t'es plus une Da Silva, toi. Hein. Je suis une flash. Voilà. Non, laisse tomber, je vais m'occuper d'eux, t'inquiète pas. C'est ta merde. Je vais m'occuper d'eux. Ok. Bon courage. Angela, t'as changé de style, voilà, enfin. Ah ouais, enfin, tu t'es réveillé, c'est bien. BG en tout cas. Allez. Je dois appeler Abby, bébé. Ouais, engueule là, s'il te plaît. Ok. C'est moi qui fous la merde, les gars. Ouais, je filme toujours dans la voiture. Gros, on peut jouer à GTA. Je sais pas, y'a toujours un voleur. Ouais, qu'est-ce que tu fais à mon babinou, toi? GTA 4? Comment ça? Elle m'a raccroché à la gueule, cette grosse pute. Mais elle fait trop la meuf, je te jure. Elle fait trop la meuf, eh, je te jure, on va aller se plaindre. Moi, j'en peux plus. Mon bébé, je suis là, regarde, bébinou. Vas-y, regarde, je suis là, bébinou. Regarde. Merci, voilà. Putain, je viens d'arriver. J'ai sauvé Lyon et regarde comment on me traite, putain de merde. Je sais. Oh, bébinou. J'avais le monde sur mon dos, là, je me lâche un petit peu. J'ai envie de rigoler. Eux, ils me traitent comme un animal. J'en ai marre, moi. Oh, mon bébinou. Je suis pas un animal. Non, t'es pas un animal, mon bébé. Bah ouais, c'est pas comme si t'avais un finisseur en toi. Voilà. On va se calmer quand même, on va garder notre calme et on va les écouter. Go, 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 go. Attendez, je vais mettre mes vêtements. Comment ça se passe, DVA? Bonjour. Un mot, monsieur? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? On parle de vous. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit quoi? C'est pas fini, Abby. C'est pas notre voiture. Ok. On peut discuter, monsieur le procureur, parce que je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir, parce que là, à un moment donné, il faut arrêter. Venez. Avec Nina et Milo, si possible. Venez. Oui, venez tous les trois. Oui, on a des choses à vous dire. Là, ça va trop loin. Là. Allez-y. Je suis avec mon associé de presse. On est fous dans la merde, les gars. C'est mon associé de presse, c'est pour ma chaîne YouTube. Attends, eh bien, salut à tous les amis. Arrêtez. Non, laissez-les. Ah, les amis. Ok, monsieur le procureur. Je sais pas, parce que j'ai pas envie que... Je veux pas qu'ils viennent, parce que... S'il vous plaît, agent de sécurité. Oui, vous nous avez foutu dehors tout à l'heure, alors qu'on voulait venir et discuter, et là, vous voulez rentrer. Non, par contre, on t'a foutu dehors parce que tu nous dérangeais pendant que j'étais en train de parler. Tu m'as coupé la parole. Et alors, t'es qui, toi, pour que je coupe pas la parole? T'es qui? Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière interview. Est-ce qu'on peut vous parler tête à tête, monsieur le procureur? Oui, venez dans le bureau, encore. Laissez-nous, on va vous laisser votre moment de gloire, maintenant, laissez-nous. Vous êtes tombé, monsieur le procureur, vous êtes tombé. Non, il est là. Ah oui. Voilà, non, il est, regarde. Fais un crescré psychique. Oh putain, il fait du breakdance. Allez, venez, on vous suit. Vous avez des talents de breakdance? Allez. Non, je comprends pas là. Tu comprends pas, mais nous aussi on comprend pas, mais on va comprendre, on va mettre les choses sur la table. On va régler les choses de toute façon. Non, parce que là c'est trop les Da Silva, vous êtes pris pour qui? Attends, laissez-moi parler. Laissez-moi parler avec eux. Non, laissez-moi parler. Non, moment, faut attends, monsieur, c'est de la plus haute importance, faut qu'on aille sur le. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, ils ont eu leur moment de gloire. Moi aussi, j'ai envie de vous parler. Aaron est-ce que je peux juste leur parler? J'ai envie de comprendre des choses. Quoi? Y'a rien à faire comprendre, je fais quoi? Flash. Bon, c'est une affaire d'État, laissez-nous. Voilà, s'il vous plaît. Attendez-nous. Et après. Par contre, manquez pas de respect, monsieur le procureur, par contre. Pardon? Qu'est-ce que t'as fumé? J'avoue, j'allais dire que quoi. Allez, venez, on y va. Non, il vous manque de respect, donc s'il vous plaît. Associé de presse, viens. Attendez, s'il vous plaît. Tu vas dire quoi? Tu vas pas encore ton scandale de merde, là? Vous nous a pas laissé écouter, maintenant vous nous laissez, il va nous expliquer. Eh ben vas-y, va faire ta séance, allez. Voilà. Pardon. Désolé. Ah, vous êtes dans le bureau, là? Tiens-moi la porte. Oui, je suis dans le bureau. Attendez, je vais faire une chute. Ouais, s'il te plaît. Bon, monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'ils sont en train de jouer, là, les Da Silva, là? Parce que moi, je les fais confiance.
À un moment donné... Là, pour le coup, ils ont raison. Hein. Pour le coup, ils ont raison. Ils ont été... parce qu'en fait, je vous explique, il y a un nouveau code pénal qui est rentré en vigueur en ville il y a quelques semaines. Il fout la merde. Heureusement, tous les policiers n'ont pas pris en compte ce code pénal. Et du coup, ils ont... Bah, en fait, Abby, elle avait un petit pochon de drogue sur elle. Et le policier l'a, bah, l'a non, amendé, l'a mis sur son casier judiciaire. Sauf que dans le nouveau code pénal, eh ben, elle avait le droit d'en avoir au moins 3 sur elle. Ah, mais elle, c'est une droguée de toute façon. Non, parce que moi, écoutez, on a fait un contrat, on a fait un pack avec les flics maintenant qu'on arrête les conneries. Et moi, ce que j'entends, les Da Silva partout, les Da Silva par-ci, les Da Silva qui volent des véhicules. Et moi, j'ai peur en fait, vous voyez. Ah oui, ben, ça, c'est pour arriver dans vos oreilles. Et moi, j'ai cru qu'ils sont venus vous voir pour leur blanchir, pour leur. À un moment donné, faut arrêter, faut qu'ils assument leurs conneries, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, non, mais de toute façon, vous inquiétez pas, moi je suis tout à fait apte à savoir mêler, démêler le vrai du faux. Hein. Parce qu'on des conneries, bon, leur propre fille, regardez, devant moi, Nina, parle, explique un peu, parce que là, ça va trop loin. Surtout pour la boîte de nuit, là, comment ils m'ont emmené là-bas. Là. Et après, il dit que c'est moi. L'heure est grave, je vais vous expliquer. Tout a commencé hier soir. Dans le plus grand des calmes, mon futur mari se baladait dans la rue. Il s'est fait harponner et attraper. Et il s'est fait forcer, oui, par ils m'ont forcé. Ma famille. Ils m'ont dit que si tu veux la main de Nina, tu viens avec nous. Et moi, par respect pour son père, je suis parti. Il dit, viens, on fait. Ce fut un désastre lorsque je l'ai appris. Mon bien-aimé, forcé par ma propre famille. Je vais la tuer, ta fille, je vais la tuer. Non. Moi. Non, attendez, on est... Nina, c'est bon. Non. C'est calme. Attendez. Il y a trop de bruit, là. Cassez-vous. Laissez-nous, là, s'il vous plaît. Quoi? Wow. Oh, là, par contre, lève de main contre monsieur agression procureur. Sur magistrat. Par contre. Agression sur je vous fais arrêter tout de suite. Vous avez vu, monsieur, c'est des criminels, je comprends plus. Oui, j'ai vu. Là, j'ai vu je comprends plus, Da Silva. Mais Da Silva, vous écoutez, moi, j'avais... Et moi écoutez bien, non, mais non, ça va être ça. C'est une guerre maintenant. Bonne nuit, reposez-vous. C'est une guerre, on n'est plus ensemble. À partir de maintenant, oubliez-nous. Mais sors de toi là. C'est donc ça la famille? C'est pas la seule famille maintenant, c'est Milo et Nina. C'est tout. Quoi? Mais vous avez pas, qu'est-ce que vous avez fumé ce soir? Tout ce qu'on vous a offert, nous, c'est de l'amour. Et de nous, la vous paix, avez donné quoi en échange? Du bonheur. Non. Tous non, les non, jours, non. On est là pour vous. Non, là, on vous relève. Là, vous avez on craqué, vous là. Vous avez bien changé, vous deux. On a sauvé le monde ensemble. On était enfermés dans un bocal de lait, moi et elle. Vous avez bien changé. Ouais, vous avez bien changé. Toi, déjà, on commence par. On te voit pas. Attends, t'as déjà tombé. Toi, tombe. Ouais, tombe. Ah, papa, t'as aussi, faut que tu tombes. En tout non, cas, ce qui est sûr, c'est que pour finir ma soirée, une guerre familiale, je demandais pas mieux, là. Non, c'est mais pas, là, c'est trop. Là, non, c'est trop, plus ma famille, moi, maintenant, c'est bon. Ils volent mes véhicules, ils me foutent dans la merde, ils me forcent à venir en boîte de nuit, quoi après, ils foutent la merde, ils disent à Nina que j'ai dansé, c'est j'ai foutu la merde. Ils assument pas. Non, mais recommence son délire, mais putain, mais c'est pas possible. Bah, vous savez quoi, démerdez-vous, nous, on va aller dormir. Allez, casse-toi, c'est bon. Parlez mieux, par contre. C'est à un moment donné, quoi faut arrêter. Après, vous venez voir monsieur le procureur, vous venez pleurer, ouais, blanchir. Non, c'est pas parce que vous avez aidé à sauver le monde que là, vous croyez tout permis. Eh, parle bien, t'as dit. Oh, monsieur Flash. Ouais. C'est ton père, t'envoyer le s'il te plaît. Rends-moi la veste de mon père. Rends la veste de mon père. Ton mental est où, là? Rends la veste de mon père. Vraiment, tombe. Rends la veste de mon père. Tombe. Par contre, là, ça commence à bien faire. Là, vous deux, vous commencez à être grave. Et toi, Milo, tu les suis en plus là-dedans. Il est où le magicien? Milo, c'est l'associé de presse, laisse-le. Non, ouais, je vais appeler ton père, Milo, c'est bon. Non. Eh, on s'en fout, son père, il a plus de père. Père. Son père, il a joué, il est là pendant un mois après. Non, c'est Jérôme qui l'éduque, c'est même pas son père. Donc, quoi, commence pas à éduquer ton fils, tu l'as abandonné. Jérôme, on a jamais vu ton fils. Jérôme doit 20 000 dollars. Parce qu'avec son père. Au lieu d'éduquer les autres, au lieu d'adopter les autres, il est où ton fils? Tu l'as abandonné. Mon fils, voilà. Il est en sécurité, mon fils. Où c'est bon on l'a jamais vu, ton fils. Mais tu veux le voir? Il doit avoir mon âge, mon père. Il n'existe pas, ton fils. Il doit avoir mon âge, on l'a jamais vu. Et toi, ce que tu fais, tu donnes de l'amour à Milo, tu adoptes Milo, tu adoptes ceci, tu adoptes cela. Mais il est où, ton fils? T'es comme les autres, t'es une Da Silva aussi, toi. Tous pareils. Ferme-la, tu te tais. Change de nom. Qu'est-ce que Silva, putain de merde. Il est où le magicien? Pas de souci. Il est où le magicien? On sort dehors parce que si, on voit rien. Donnez, faut arrêter. Dehors, c'est pire qu'une cour de récré. Hein. Impossible. 19 ans, ça va se marier, ça sent plus pisser. Monsieur Foucault, monsieur Foucault, faut le mettre en prison. Je m'excuse au nom de leur nom pour eux, monsieur Foucault. Non. Je m'excuse pas, vraiment. Désolé. S'il vous plaît. C'est vraiment un comportement inacceptable. Regarde comment il coupe la parole. Coupe pas la parole, Abby. C'est incroyable. Voilà, monsieur le procureur. Regarde-moi ça. Toutes nos excuses et vous serez bien sûr invité au mariage. Laissez-la voir.
Vous venez même pas à notre mariage, vous. Venez même pas à notre mariage, moi je vous dis direct. Ouais, bon, on viendra pas, c'est bon. On viendra pas, c'est bon. Allez. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur Moldovan. Merci, monsieur Stérochoc. Merci de vos bons services. Merci, monsieur. Merci à vous. Et monsieur le magistrat. Oui. Monsieur magistrat, oubliez pas, vous faites attention à 88. Ah, oui, il a dit en JV. C'est incroyable quand même. Dis-lui de la panne Milo. Intenable. S'il vous plaît. Merci, merci de vous gérer. Regardez ça. Laissez-nous. Laissez. Allez, on y va. Oh, putain, je sais pas, mais il y a Milo, bébé. Non, t'inquiète, on y va. Les amoureux, c'est avec un plaisir. De quoi? Vas-y, je dois partir. Non, j'ai juste dit, reposez-vous bien. Comment ça? Oui, ben. Bah, c'est une déception, hein, une déception. Et... Vous pouvez me déposer à la villa, s'il vous plaît? Bien sûr que non. Non, mais c'est. Mais j'ai lancé. Tu vas dire que c'est pas toi encore? Mais j'ai lancé des boules de neige. C'était des boules de neige. On vécu. Tu vas m'accuser là? Tu vas aller voir le procureur? C'est moi? C'est quoi ça? La voiture était piégée, monsieur le procureur. La voiture était piégée. Vite, vite, vite! J'ai lancé des boules de neige, les gars! J'ai tout en image. Heureusement, j'ai pas monté dedans. On est blessé, monsieur Liam. Mais oui, c'est le coup de poing explosé. Je répète, la voiture était piégée. La Mercedes de monsieur Jajon Desiva était piégée. Ah putain. Mais qu'est-ce qui se. Elle est où, Nina? C'est n'importe quoi. T'as osé, franchement, tu me déçois. Mais quoi? Mais quoi? Putain, t'es sérieux? Mais vous me décevez. C'est bon. Mais alors là. La voiture de ton père. Aaron, tu nous déçois. Je m'en fous, ils en peuvent plus là. Purée. Ils ont piégé notre voiture. Je te croyais pas comme ça, Aaron. Aaron, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est bon. Qui l'a piégé? Dénoncez-vous. Laissez-nous maintenant. Excusez-moi. Moi, j'allais porter plainte là, c'est bon. Viens, on va porter plainte. Il va porter plainte. Ils ont tout vu. Ils ont c'est tout filmé, ok? Tout a été filmé. Toi, mais parle même pas, t'as pas occupé de ton fils. Honte à toi! T'as jamais occupé de ton fils! Il aurait honte de toi, Ron. Il aurait honte de toi. Toi, j'ai honte pour ton fils. J'ai honte! J'aimerais pas être à ton fils. Tu l'as jamais éduqué, on l'a jamais vu. Il doit avoir notre âge. Et ton mec, il est même pas là pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mec, il a cherché, il a un million sur sa tête, c'est bon? Monsieur Flash a trafiqué. C'est n'importe quoi. Avant de parler, Aaron, c'est parce que t'avais pas. Il y a un médecin qui arrive. Mais c'est ça, ouais. C'est pas parce que t'étais enfermé dans un putain de bocal de lait que tu dois faire le mec maintenant. Non, mais à un moment donné, faut arrêter. Non, mais à un moment, tu te calmes maintenant. Ah, ça fait pas 30 ans que tu dois aller dormir, toi, connasse. Oh. Bon, écoutez-moi bien, allez niquer tous les deux et c'est bon, foutez-nous la paix. Ouais, t'inquiète pas, on a pas besoin de toi pour ça, hein. Non, j'espère bien. Incroyable ça! Incroyable! Bon. 19 ans! Monsieur Vito, allez-y! Et ça me fout que la merde! Attention! Venez nous excuser, allez on y va, c'est bon! Allez on y va! Merci Sylvain! Oui, ça va! Toi ça va, c'est bon? Bah, incroyable! Ça va toujours quand je suis avec toi, mais t'as vu ça? Putain! Et après ça parle de famille! Je comprends pas, je les comprends pas là. Je sais pas ce qu'ils ont eu ce soir là. Là ce on soir, leur je donne comprends. Tout. Faites quoi? Mais regarde-moi ça, Yuri. Quoi, on fait quoi? Je sais pas. Et voilà, on voit monsieur Dessa qui vole une voiture de civil. Non, moi je fais un vlog. Déposez-nous alors l'unicorne. Bah oui, je suis votre chauffeur maintenant. Bah non, Milo, t'as pu rester là, ciao. Attends. C'est nimp. C'est nimp! Pas avant, vraiment, non mais. S'il te plaît, tonton, on vous voit pas, je oui, fais ce métier. Hein. Nous, tout ce qu'on demande, c'est une vie heureuse. Elle est avec nous, vous inquiétez pas. Et vous, j'ai l'impression que vous nous empêchez d'être heureuse. J'ai l'impression que ça vous fait chier. Juste parce qu'elle va porter le nom de Flash, puis votre nom, vous êtes. Vous voulez pas, c'est bon. À un moment donné, faut arrêter. Nous, on veut juste s'aimer. Mais l'écoutez pas la prochaine fois, il est un peu. Il a pété une durite un peu, je sais pas si. De toute façon, vous l'avez pas écouté, à mon avis, donc. Putain, j'ai lâché une boule de neige, voilà, ça a pété, eu raison, gars, j'ai pas compris. Vous aviez eu raison, y'a pas de soucis. Désolé du dérangement, monsieur le procureur. Pourquoi t'es dans le dos? Regarde, je lance des boules de neige, ça explose. Regarde. Arrête! Oh là là, mais... c'est des boules de neige, regarde. Tu sais pas canaliser un peu? Arrête! Je me demande si c'est pas du Aaron Milk. C'est quoi? C'est quoi ça? Bah, tu te rappelles la fois où on s'est retrouvés? Ah oui! Ah ouais, y avait du stock, hein. Tu t'es débarrassé du stock, bah, là. J'ai pris un camion citerne, hein. Ouais. Là, c'est bon, là. Là, juste un bidon, ça va suffire. Et on va faire virer 88. C'est déjà pas mal, hein.
Mon objectif est faire virer 88. Donne-moi un peu de Iron Mill. Y'a pas de soucis. Non. Non, il est collé. Il est collé. Il est collé dans mes bras. À un moment donné, faut arrêter. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Non, c'est clair. Ouvre. Merci. Pas besoin d'attendre le mariage, hein. Non. Ok. Casse-toi, Milo. Casse-toi. Milo, non. Non. Ok, ok, ok. Bon, désolé. Ça va. Quoi? Tout va bien, non? Rien. Dehors. Bonne nuit. Bonne nuit. Où? Ma gueule, lui. Où? Où? Partout. Vas-y, j'arrive, installe-toi. Merci à vous les gars. Allez, voix extrême maintenant.